On va attendre Kader parce que il va en Il est parler juste là. là. Juste ici. Derrière moi. C'est vous? Mais il était blond. Ouais, ça va, Vous avez quoi? fait une Bien la peinture? famille. La famille, oui, non, le commandant, hein. Oui, mon commandant. Oh ouais, excusez-moi, désolé, enfin, ça va être des formations professionnelles quand j'étais dans les quartiers. Ouais, mon commandant, quand il s'agit de faire respecter la loi, je réponds présent, mon commandant. Super, enfin. Ouais, je vous ai Vous ramené un ancien médiateur aussi, il veut aider dans la LSPD. Mais il se trouve que là, êtes... j'ai perdu, comment dire, j'ai eu un problème dans l'espace-temps. C'est-à-dire que ma fonction, faudrait me la remettre, en fait. Ah Nous d'accord, avons été et mis à... vous avez fait une teinture parce que j'ai blond, non? Ouais, je me suis dit, ouais, c'est toi ou quoi? Ça passe bien Ouais, ou ça pas? passe, hein, franchement. Ouais, pas mal, hein. Bref, moi, peut-être que j'ai coupé mes cheveux. Enfin, soit, venez dans le bureau, Oh, putain, il est trop sur chiant avec scène. lui. Je vous suis, mon Ouais, commandant. j'ai eu des échos comme quoi vous étiez un petit peu débordé dans cette ville. Là, en Ouais, arrivant, c'est compliqué, exactement. hein. Manque d'effectifs, la ville, c'est des... y a que des terroristes, enfin, je comprends pas. Là. Va falloir s'équiper, on passe en DEFCON 2, ça fait le malin, on l'a pas, direct, hein. On cherche pas à comprendre. Comment on fait D'accord. pour... Dès que vous voyez un civil en danger, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir un rapide briefing au niveau Embrouille, des ouais, gangs de je la vais faire ça. population, s'il vous plaît? Alors, actuellement, il n'y a pas de gang, hein, proprement dit. Ils sont toujours Là, c'est en jackpot, les mecs, campement, on on va a tous dire. les droits, la Ligue 1. Mais la mafia est disponible. T'es là, Faites DMG? attention, je les ai On vus. t'attend, dépêche-toi. Très bien, Ils sinon patrouillent prends-en. en véhicule. Ah, j'ai oublié le type. Faudrait que j'aille relire le rapport De du toute sergent. façon, Des qu'est-ce qui. BM noirs, BM noirs. Ouais, voilà. Non, t'es sûr de ça? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Excusez-moi, vous pouvez me répéter vos noms, s'il vous plaît? Vito Gaggio, matricule 33. Oh non, matricule 33 pour toi. Ok, moi c'était 23. Moi c'était. Rappelez, hein. Kader. Kader Bokabel. Kader Bokabel, oui, mais... Ah, oui, mais oui, bien sûr. Oui, je Oh, je me retrouve... Ouais, rappelle votre de contrat, ça. ouais. C'est possible. Voici votre badge sur votre table. Si vous avez perdu l'autre, par contre, Ok, faites attendez. attention. Et vous, Je le prends. Ouais, faites attention, par contre, hein. Doucement avec le Merci. bureau, hein. Alors, Rappelez-vous, ça... j'avais le badge officier. Je sais pas si vous en souvenez. Exactement, oui, mais il faut d'abord que je j'occupe... C'est comment votre nom, vous? Moi, c'est Vito Gallucci. Attendez, ça, c'est pas mon badge. Celui-ci... Non, c'est pas le mien non plus. Ouais, doucement, ouais. Attends, je les repose les badges, attends. Lieutenant, vous signez? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer Non, votre c'est carte pas moi, d'identité? c'est Parce que je vois que dans la base de notre... données, vous n'avez pas les Ah, mêmes très noms. bien. Autant pour moi. Vous voulez ma carte d'identité, c'est ça? Exactement, s'il vous plaît, Attendez, je monsieur. ramasse le badge, je l'ai fait tomber. Tenez, ma carte d'identité. Karim, arrête tes conneries là! Ah d'accord, ouais, mais il y a un gros souci là. Donc, ok. Écoutez, prenez le badge, allez-y. Vous l'avez là-bas? Là, vous l'avez? Obligé. Moi, Oui, sur je le l'ai, badge, il y je a l'ai. marqué LSPJ en recrue, c'est bon? Ouais, non, 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 regardez Ah bien. ouais, là c'est bon, ça a été mis à jour effectivement. Bah, c'est pas mal ces petits badges électroniques. Bon, merci Ouais, mais en beaucoup. fait, oui, c'est une puce directement avec un bouton, hop, 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 direct. Ouais! D'accord, très bien. Bon, allez, on va se mettre en place. Une bonne journée de travail. Salut les collègues, tout se Ouais, passe bien? salut, excusez-moi, mon commandant. Le gilet par... Pourquoi? Ouais, Ouais, pourquoi attendez. j'ai ce vieux gilet orange, mon commandant? Ouais, parce que. Attendez, attendez. Ouais. Reculez un peu, Kader, s'il vous plaît, vous me collez trop là. Kader, s'il vous plaît. 1m50. Ouais, j'y vais, 1m5. Ah oui, effectivement, je Et le sautez prends. un petit coup là. Plus dans le cul. Attends, je vais essayer de prendre mon badge, les mecs. Oh putain, oh putain, on est flic. Le commandant, il a dit qu'il faut prendre un gilet pare-balles. On est en DEFCON. Kader et Vito, je vais vous voir patrouiller avec moi. Monsieur Aucun le souci. LSPD? Vous voulez quoi? Mon commandant, au niveau de l'armement, puis-je m'équiper? J'aimerais savoir si la LSPD elle recrute. Elle est aux normes cette voix ou. Il faut voir ça avec le Oula! commandant aussi. Commandant, il y a un Attends, monsieur mais il est là sérieux qui lui! veut. Il est sérieux lui! Excusez-moi, est-ce que vous pouvez sortir ces personnes du commissariat, le commissariat est fermé. Les recrutements se Dis-moi. passent sur la Bon, radio aussi. écoute-moi, descendez Sean s'il vous Paul, plaît, je vais me suivre monsieur. tout de suite. Vas-y, viens avec moi. Ok, Mon qui? commandant, pouvez-vous ouvrir Toi là, l'arrivée avec s'il vous plaît? les Sean, celui qui a Ouais, la dégaine Sean Paul, viens avec moi, viens avec moi, viens avec c'est moi. qui Sean Paul? Je suis en train de C'est vous moi? parler. Ouais, cette voix déjà, elle est pas aux normes, va falloir me changer ça, monsieur. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as très bien compris ce qu'il y avait. J'ai fait quoi? On est en intervention, c'est un code rouge ici, c'est code rouge alpha dans Comico. Ah, C'est la ok. dernière fois que je te vois traîner ici, c'est quoi? C'est pour un renouvellement de carte de séjour ou quoi? Mais non, j'ai juste demandé si la LSPD recrute. Ah non, 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 là en ce moment on est sur effectif là, déjà qu'on doit régler quelques Ok, soucis. mais vous n'êtes pas obligé de me parler comme ça, monsieur. Ouais, J'ai mais demandé désolé, si on est la un peu LSPD tendu, les recrute. nerfs sont tendus, ouais. Ah ouais.
Et mais aussi, tout à l'heure, en plus, je vous ai pas dit, tout à l'heure, à l'aéroport, il y avait 4 arabes comme ça. Ils viennent, commencent à mêler. Moi, je fais oh, quoi officier oh, cardiaque. Esquive comme ça après. Ouais, boum, non, ok, ok, on va gérer ça. De toute façon, les arabes à joie, ça, je connais. Vous en faites pas, je maîtrise. Star, je sais. Mais moi aussi, je suis arabe, mais eux, c'était pas des arabes normales. Enfin, officier cardiaque, le commandant vous attend. Le commandant vous attend. Y'a Mohamed, il veut voler vos véhicules là-bas. Ça joue bien, en fait. Y'a Mohamed, il veut voler vos véhicules, monsieur l'agent. Bon, les arabes à joie de service là, on va régler ça vite fait, je vais sortir ma matraque, ça continue encore. Bon, attendez. Mais c'est pas ma Mohamed, il s'enfuit là-bas. Sortez où? T'inquiète pas, je vais juste chercher le véhicule. Le taser. Non, 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 non. Il faut le taser, j'ai oublié. Ah oui. Kader, tu as eu ton. Ouais, ton... je vais prendre mes armes, ouais. C'est le commandant qui doit te donner le. Ouais, il est où le trou noir qui s'occupait de donner les armes? Ah, t'es là. Ouais, non, il a disparu. D'accord, bah je voudrais alors. On l'a viré parce que c'est un enculé là. Du coup, il faut aller là-bas au fond. Ah, ouais, on est vraiment en sous-effectif. Donc le Renoir il est parti, il a pris. Ah, d'accord, il a pris ses congés. Non, non, on l'a viré. 13. Je peux savoir ce que vous faites ici? Je vous ai demandé d'aller patrouiller avec 69. Merde, retirer arme. Ok, mais j'ai pas entendu du coup. Comment on fait pour. Si vous me permettez, commandant, j'ai l'impression que les troupes sont assez dissipées. Parce qu'il a pas encore son. Ouais, mais le problème, c'est que si je vais pas mettre de coups de matraque. Bon, attendez. Je vais où là excusez-moi, vous pouvez m'aider? Ouais, bien sûr. Alors, attendez, deux petites secondes, c'est à moi de le faire. Tenez. S'il vous plaît. Excusez-moi, quel est votre matricule? C'est 04. Je pense qu'actuellement, le DEFCON nécessite pas mal de patrouilles en ville au lieu de stacker dans l'armurerie. Ouais, je comprends pas là, je comprends pas ce qui se passe là, je vais commencer à crier ici. Non, j'ai besoin de munitions. J'ai besoin d'un taser, monsieur le commandant. Une arme non létale, s'il vous plaît, parce que je vois que... Vous avez envie de casser des nerfs, j'ai l'impression. S'il vous plaît. Je viens d'être muté dans ce problème, c'est que... J'ai bien l'impression que c'est déjà le bordel. Le problème, c'est que moi, je suis tout seul. Et 04, là, et 04, 13 et 69... On va réguler les secteurs, monsieur le commandant. On va déjà aller à l'entrée de la ville, parce qu'il paraît qu'on a eu quelques signalements comme quoi ça serait le bordel. Sautez un coup, Kader. Je sais pas ce qui vous arrive, là. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, là. Il manque juste la matraque, histoire de... Ouais, vous avez compris. Le problème, c'est que moi, je peux pas tout vous donner. Hein. Je vous donne déjà ce que j'ai, parce que... Voilà, je vais vous voir en manœuvre parce que je vous ai pas vu depuis et je sais même plus que ce que vous avez fait, etc. Mais enfin, soit. Venez donc, c'est parti. Mon commandant, vous préférez que nous fassions une alpha ou... Pardon ? Oui, au niveau de la du dispatch. Vous inquiétez pas, il y a tout ce qui s'ensuit est déjà réglé. Ils sont déjà au courant. Normalement, je sais pas ce qui se passe là. Oh, je sais le pas. Je sais pas pourquoi ce qui me colle là. Maintenant. J'ai l'impression que le LSPD est assez incompétent. Par contre, je vous permettrai pas. Hein. Ah, c'est des gentils garçons. Attention, ouais, t'es nouveau, t'as été médiateur déjà qu'on t'a promu. Monsieur, vous êtes moche. Ouvre pas, s'il te plaît. Parce que là, on est débordé, donc commence pas. Juste, tiens à vous dire un truc, monsieur Vito. Hein. Ici, on est là pour. On fait de notre mieux. Hein. Donc, si vous commencez à critiquer la LSPD alors que c'est son mieux. Vito, critique pas, gros, t'es nouveau. Vous allez finir mis à pied, vous allez faire votre vie, ça va? Oui, y a pas de soucis, mon commandant. Moi, je vous connais pas. Kader, lui, je le connais. Je sais ce qu'il vaut. Ouais, non, mais je sais ce qu'il vaut. Mais bon, c'est vrai qu'il il prend un peu la confiance. Il est un peu tendu. Non, non, mais y a pas de soucis. Hein. Je veux juste le remettre en place histoire qu'il. Non, mais c'est bien vu, monsieur le commandant. C'est bien vu. On est tous sympas ici. Mais pourquoi il marche comme un. Mais. C'est un peu le mec, le commandant, j'ai l'impression. Ouais, mais normal, en fait, voilà, il est un peu pris, là, par ces derniers temps. Il y a beaucoup trop d'activités, la délinquance, la criminalité dans cette ville, on essaie de faire bien les choses, quoi. Ouais, mais je me rappelle, il faut pas qu'il oublie que c'est nous qui avons géré le conflit Bassem et... Effectivement, dans les cités, ouais, je sais, mais bon. Là, t'es en observation, donc merde pas. Oula, tu vas bien ? Il tombe déjà dans les pommes, fils de... Ça va ? Ah oui, mais je me sens un peu mal, je pense que... Oula, tu te sens un peu mal. La matraque, c'est... Attends, ça dépend où il l'a. La matraque, tu l'as mis où? Tu l'as rangé où? Oh là là. Non, mais quel gogol. La matraque, tu l'as mis dans ta ceinture, putain. Monsieur Vito, écoutez-moi, hein. Écoutez-moi, attendez, sortez du véhicule. Ah, en plus, il s'assoit. Sors. Monsieur Vito, excusez-moi. Je veux bien que vous soyez tout ce que vous voulez être, hein. Mais évitez de faire ça en service, s'il vous plaît. Hein, faites ça en privé, vous pouvez la garder maintenant, je la veux plus. Hein, gardez-la bien. Tenez, je vous la rends si vous voulez. Non, mais non. Non, je m'en fous. Vous la gardez. Garde-la, garde-la, range-la, gros. Par contre, t'as pas l'arme létale. Là, pour l'instant, tu dois faire respecter la loi, juste par la parole, tu vois. Exactement. Il faut être diplomate.
toujours diplomate et tenir le regard, c'est très important ça. D'accord, je tiens le regard. Exactement, attends, oui. Tu tiens surtout le regard, mais déjà dégage de ma place, ouais. Tiens ouais. Surtout ta place arrière, ouais, ta banquette, ouais. Ouais, ouais, radio, y'a pas de soucis. C'est parce que je suis gay que je dois aller derrière. Pardon? Non, ça n'a rien à voir. Eh, écoutez-moi, c'est comment votre matricule? 33. 33. 33, encore une phrase comme ça, vous êtes viré. Vous avez compris ou pas? Oui, il va se faire virer. Il va se faire virer. Mais gros, pourquoi t'es comme ça, gros? T'es chez nous ou quoi? Non, mais je sais pas, on m'a toujours dit en général. Comme toi, déjà, il te fait une fleur, t'as un taf, gros, t'as un taf. Écoutez, on nous. Non, mais y'a pas de soucis, hein. Eh, hey, Vito, eh, hey, calme. Hein. Ouais. On est là, on peut. Y'a pas de soucis, hein. Ouais. Faites ce que vous voulez dans votre vie, mais devant moi, ouais, restez respectueux. Ouais, ça doit pas intervenir dans la vie professionnelle, c'est vrai, il a raison. Exactement. Bon. Mon commandant. Il déchire le commandant, ouais. Il est trop pourquoi chaud. Pourquoi il y a des sièges sur c'est le un Belge capot partout, sur le coffre de la voiture? Pardon? J'ai l'impression qu'on a pas mal de bougies sur le capot. J'en sais rien, c'est... les communications, c'est pas normal, c'est pour être localisé. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai demandé des véhicules rapides et performants parce que ce qu'on avait au début, c'était n'importe quoi. On a eu ces véhicules qui sont plutôt performants, vous allez voir. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté des antennes. Hein. Enfin, ça, parce que Kader, c'est une bonne remarque, mais rien du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah, d'accord. Ouais, je comprends pas. Le son est bien. Bizarrement, vous êtes arrivé, il n'y a plus rien en ville. Je vous jure, là, tout à l'heure, c'était poursuite sur poursuite. Bah, on a des bonnes ondes, on essaye de. Voilà, par notre charisme, j'ai l'impression qu'il se transmet par télépathie. Bah, je suis un poète. Vous êtes un poète? Ah bon? Oui. De la poésie, monsieur Kader. Voilà. L'ange du ciel qui s'envenime sur le détournement de l'air à effet discompu. Je suis un et poète. Ça représente quoi? Ça représente qu'en gros, j'aime bien les femmes, quoi. Ah ouais, c'est. Je suis un poète. Intéressant. Attendez. Monsieur? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Excusez-moi, c'est votre véhicule, Yaré, en plein milieu? Non, du tout, c'est un véhicule de vigneron. Oula. Augmente un peu ton son. C'est bon, là? Monsieur, passez une fois à l'ambulance. Enfin, chez les ambulanciers, excusez-moi. Ça va? Vous n'allez pas bien, hein, je vous le dis. Hein. Bonne journée. Vous voulez que je le questionne ou... Ah, bon, c'est bon. Non, franchement, non, lui, c'est... Bon, on n'a pas le temps, il y a des cas prioritaires, c'est ça? Exactement, parce que on cherche des individus. N'oublions pas que nous sommes en DEFCON 2 et que les individus sont actuellement recherchés et armés. Hein, si vous voyez des véhicules noirs, dites, soyez à l'affût. C'est très, très important. Donc on arrête... Des trucs noirs, de toute façon, moi, je suis très à l'affût. Oula, qu'est-ce qui se passe? On arrête tous les noirs. Pardon? Non, véhicules noirs, il a dit. Non, les véhicules noirs, pas les noirs. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a une bagarre de rue ou j'ai l'impression qu'il y a un groupe tout seul en train de faire des conneries. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui se passe? Une bite sur l'épaule, trois cadavres sol, quartier Mariupol, face à l'horreur. Nous sommes des tueurs, général de guerre, monsieur, c'est qui fait ça? Je suis gazote monte en l'air pour le. Eh, qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, je suis un braqueur. Oh, tu tais, toi. Faut que le ta grand-mère. C'est quoi ça? C'est quoi cette police là qui tape comme ça? Mon capitaine, c'est ça. J'ai immobilisé. Nous sommes en défense comme deux, monsieur. Vous êtes un individu suspect. Je vous demande de vous arrêter, vous m'écoutez pas, monsieur. Mais ce qu'il voilà, il parlait même pas. Il s'est pris une stupide. Donc maintenant, petit fils de putain. Tu me tapes dessus. Moi, je suis une salope, moi. Eh, commencez pas aux avocats là, sinon je. Bavure policière. Comment ça, bavure policière là? Arrête de faire n'importe quoi là. Bavure policière. Non. Par contre. Eh, tu vas fermer ta gueule là, gros. Eh, tu sais à qui tu parles? Eh, on est des agents de police là. On est là pour faire respecter pas la loi. Donc... C'est outrage à agent là. Kader, venez. C'est quoi le bail? Pourquoi tu m'as mis un putain de coup de matraque là, enculé? Kader. Une bavure policière, c'est une bavure policière. Vito, montez dans le véhicule. Montez dans le véhicule, il y a un débordement là, il y a trop de foule là. Ouais, débordement. On est sous effectif, on peut se faire agresser dans tous les sens. Radio, on a besoin d'aide au niveau du garage central. On décroche. On va laisser ça à d'autres unités parce que moi je peux pas gérer ça. Mon capitaine, possédons-nous des flashballs et des boucliers anti-émeutes? J'ai demandé, mais on en a pas. Et je te jure que ça pourrait servir. Parce qu'une balle de flashball dans l'œil, c'est vite parti, quoi. Bah, peut-être pas dans l'œil. Écoutez, attendez, on va éviter... pouvez-vous arrêter un instant histoire que j'arrive pas à prendre mon taz? Attendez. Comment on fait? Avant, c'est bon. C'est vrai qu'ils sont très agressifs dans cette ville.
C'est écoutez, bon, c'est en place. C'est une ville de Sarrasins parce que c'est pas possible. Je m'attendais trop. C'était très calme. Le problème, c'est que vu que les douanes sont ouvertes, hein, tout type de personnes, hein, papier ou pas papier, peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils veulent pas régler le ça. Le problème, quoi. C'est qu'il faut comprendre le problème à la base. À l'entrée de la ville, il y a déjà des débordements. Donc ce que je propose, c'est qu'on ait tiré à vue là-bas. Enfin, façon de parler. Ouais, je préfère. Mettez-moi un point sur... parce que je m'en souviens plus. Il m'a tué. Problème, ce sont des sarrasins. Mettez-moi... Je voulais mettre un point, mon capitaine. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah. C'est bon, c'est localisé. Parce que c'est pratique en général, c'est plus dans le privé. Y a-t-il un peu... Quoi ? De mettre un point sur le GPS. Monsieur, je vous ai déjà dit d'éviter de... Ouais, les allusions bizarres, ouais, effectivement. Ouais, mais... Eh, Vito, faut que tu te calmes, gros. T'as terranute ou quoi ? Non, même pas. Mec, foutez de ma gueule. C'est un véhicule que je viens de voir à l'intérieur ? Qu'est-ce que mais c'est non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que cette pâte à caisse ? Bonjour, monsieur. Monsieur ? Monsieur, il va falloir coopérer, s'il vous plaît. Veuillez répondre, hein, ouais, monsieur le commandant. Ouais, nous sommes en DEFCON, donc veuillez coopérer si on vous embarque. Monsieur. Mon capitaine, je mets ma lampe torche au niveau de ses pupilles. Veuillez vérifier s'il est sous drogue. Ah, c'est bon. Bon, alors, je peux savoir ce que vous faites ? Ah, je fais rien. Bon, exactement. Si vous faites rien, vous circulez, vous n'allez pas rester voilà. Là. Restez pas ici devant. Est-ce que vous avez des informations par rapport au véhicule blanc qui est rentré dans Attends, il y a un véhicule à l'intérieur, mais. D'accord. Allez, circulez, ça, là. Circule. Mais qu'est-ce que c'est que cette pâte à caisse, là ? Ouais, c'est F6. Ouais. Ouais, bon, attendez, j'ai mon permis, ne vous en faites pas, je vais dire ça. Attendez, faudrait vérifier s'il est pas piégé. Oh, bordel. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, excusez-moi. C'est les gamins. Comment tu fais pour menoter ces F6 ? C'est bon, t'as trouvé ouais, le muscle, monsieur, le muscle pour le dégager... menoter, c'est bon ? Oui, on vous a dit de dégager de la zone, donc maintenant... Ah c'est bon, je suis en train de partir, je prends une voiture, ouais, bah, je peux pas voler. Hein. Bon, écoute-moi bien, fils de schlag, j'ai l'impression que t'as pas l'air de bien comprendre qui maîtrise la loi ici. Qui fait la loi, c'est ta grand-mère, la fils de schlag, vas-y, bouge-la, frère. Ok, pardon, on l'emmène. Bon. D'accord, continue à mal parler, tu vas voir ce qui va t'arriver, quoi. Mais vas-y, ferme ta bouche, vas-y, parle même pas avec moi. Je pense qu'il faudrait le Ravined. Vous savez à qui vous parlez ? Je suis agent 23. Mais je parle à ta mère, ouais. Quoi ? Vous manquez pas de respect. Eh, mettez-le dans le véhicule, là, celui-là. Eh, monsieur, vous savez ce que c'est le respect, là ? Parce que je crois pas que vous savez. Hein. Bon, de toute façon, on va pas intervenir dehors, devant les yeux, devant tout le monde, monsieur l'agent. Je propose qu'on aille le mettre. Ouais, montez. Au sous-sol. Qu'on règle ça. Là, on peut pas agir avant. Il y a de la population qui nous regarde. Les gars, vous en faites pas, les gars. Non, je suis pas en égo du tout, hein, les mecs. Vous avez vu, je l'ai pas tassé direct. Arrêtez de courir comme ça. Eh, vous avez vu comment le perso il prend sur lui, les mecs ? Normalement, un vrai DRK, il l'aurait Terminax. Donc, vous avez vu comment il joue ? De quoi courir ? Vous ah les gars, ouais, non, ça bon, va, bon. je gère les mecs, les RP, je commence à comprendre les mais mecs. Je parle pas à vous, monsieur. C'est que Kader a pris... Bon, je vous cache pas, sur un autre serve, je l'aurais buté en ce temps. Hein. C'est mais pas là, grave. Mais là, les gars, je joue RP, je vais le mettre en salle interrogatoire et là, je pourrais le terminer. Non, c'est ma démarche classique. Ah, il le sait. Je vois pas de quoi vous voulez parler, mon capitaine. D'accord. Vous courez vite ? J'ai un petit cardio, mais c'est vrai que je vais courir au bois de Boulogne de 20 à 30 minutes en général. Vous êtes physique, alors ? Ça va ? Parce que si voulez, quand vous il va pouvoir courir, il va courir. Je suis assez calmé. Ok. Ouais, bon. Ouais, parce que vous allez voir, c'est physique ici. Hein. On s'arrête jamais. Hein. Ah bah là, j'ai le cardio qui est meilleur d'épreuve. Hein. En général, on me dit que j'ai souvent les mollets qui ressemblent un peu à Federer. Ah bon ? Ça attaque fort sur les prix dès le début, monsieur l'agent. Je pensais passer une journée calme, mais là je vois que c'est très actif. Non, vous allez voir qu'il y a du mouvement. Les rapports, il n'y a même pas le temps de l'en faire. Ouais, oula. Vous êtes trompé, je pensais. Bon, il va devoir répondre à ses accusations hein, sur l'outrage à l'agent. Hein. On va rigoler un petit peu parce que je vois que t'es parlé de ma morte hein, sur ma mère. On va voir si tu diras t'auras le même discours. Donc vas-y, quand on se prépare avec moi. Non, mais on va voir si t'auras le même discours à l'intérieur. On va voir. Bah, je m'en fous de ton discours. Mon capitaine, est-ce que le dispositif de caméra de surveillance c'est possible? Commence pas à parler, gros, parce que tu vas baisser tes yeux quand je te dis. Monsieur, si vous voulez que ça s'arrange. Il joue bien, mec, vénère, tout de suite. Non, mais pourquoi en fait, il insulte les darmes comme ça directement? Déjà, vous regardez mon capitaine dans les yeux quand vous lui parlez. Jamais insulté.
Tu vas voir. Monsieur, écoutez-moi, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Regarde-moi des. Oh, quand je parle, tu te tais. T'as compris? Bah non. Si tu veux t'en sortir, tu vas m'écouter. Si tu veux pas t'en sortir, je te les laisse. Bah vas-y, dis. Ouais? Ah d'accord, bah allez, on y va. Bon, on y va, vas-y. Je vais la bonne humeur. Procéder à une théo. Combat! Attendez, vous voulez... Ouais, je suis prenant, il se passe quoi, gros frère? T'es arrivé quoi? Je vais fumer ta race, bonjour. Déjà... Ouais, bonjour, ouais. Ça va, tout se passe bien? Vous avez à boire? Ouais, c'est bon, mais je suis censé sortir normalement. Non, t'es censé surtout fermer ta gueule et rester là tranquillement, sage, ok? Kader, pas discuter les ordres. Kader, calmez-vous. Ouais, désolé, excusez-moi, des fois j'ai des problèmes. Non, il est gentil, lui. Ah, monsieur, okay. Revenez ici. vous inquiétez pas, mon officier ne vous a confondu avec quelqu'un. Ouais, ouais, non, désolé, ne vous inquiétez pas, aucun moment il a essayé de vous insulter. Ça va? Kader, y a pas de soucis, hein. Bon, c'est la dernière fois. Monsieur, je peux savoir depuis combien de temps vous êtes ici? Kader, tu peux venir très vite, s'il te plaît, Kader, vite. Allez-y, Kader. Ouais. Bordel, je crois que j'ai dérapé. On fait quoi? Aide-moi s'il te plaît, on oh, fait quoi? Oh putain, t'as gros. Hey, putain, t'as merdé gros, qu'est-ce que t'as fait là, putain? Oh là, dégage là. Dégage-moi ça, on va écarter la zone. Bon, d'un côté, franchement, je suis refait parce que là, tu la fermes bien ta grande gueule là, hein? Je sais pas ce qui me retient de pas te pisser dessus, ça te bouffon. Bon, on va devoir expliquer ça, putain. Non, il est tombé, je sais pas, faut trouver une solution, mais. Oh putain, merde. T'es bien en train de bouffer le sol, fils de pute là. Alors, qui c'est qui traite les darons maintenant? Attends, deux secondes, parce que là, il va falloir que tu t'expliques. Attends, recule un instant, histoire que... Putain. Je lui regarde ton chaïeul, histoire attends, que tu respires pas ce matin. Elle respire plus, bordel, elle respire plus. Aïe. Attends, voilà, excuse-moi, désolé, c'est un petit spasme, c'est des choses qui arrivent. Voilà, sur la tête, comme ça, là, t'encaisses. Hein? Hein, sale fils de... Vas-y, t'inquiète pas. On va appeler les ambulances. Attends, on va essayer de déplacer le... Attends, arrête, il y a le capitaine. Le capitaine qui arrive, garde à vous. Merde. F5. 33, où vous êtes? 33, 23, ouais. Je répète. 23, on est là. Alors. Il se trouve que... Je crois qu'il a merdé la recrue, putain. Non, l'individu s'est évanoui, il a dit qu'il avait fait soif. Moi je viens d'arriver, je l'ai vu dans cet état. 33, venez ici. Peut-être oui, un manque de sucre, peut-être qu'il était une insulation, je pense. En fait, il m'a dit qu'il sentait pas très bien, il a consommé de la drogue, du LSD, qu'il avait besoin d'eau, et je crois qu'il s'est évanoui. Oula. monsieur, vous inquiétez pas, on va appeler les ambulanciers, tout va bien se passer, ça va? Est-ce que vous voulez que je le mette en PLS, en position de levier de sécurité? C'est ce que t'aurais dû faire dans le début, oui. C'est trop tard maintenant. Pardon? Quoi? Oh, je le mets en PLS, alors du coup, en position de levier de sécurité. Vous... Arrêtez! Monsieur, s'il vous plaît, Vito, excusez-moi, Kader. Vito, vous vous calmez. Ouais, je m'écarte, Vito, vous sortez. Vito, sortez d'ici. Oui, ouais, vous avez merdé, vous sortez là. Allez, hop. Bon. Sortez d'ici là. Faites pas attention à ce qui se passe là-bas. Oh là, il y a un bonhomme. Regardez-moi ça, ça c'est des bons travailleurs, Vito. Ah bah. Ah bah. Vous foutez de ma gueule ou quoi, vous? Vous croyez que c'est quoi ici? Ah bah, on organise des pelotons d'exécution au calme ici. Les gars, mais je peux savoir ce qui se passe ou quoi? Eh, je suis commandant, je suis pas chef d'une mafia, hein. Qu'ils ont fait un petit peloton normal, bam. Vous êtes au courant que... Bon, là, on va fermer les yeux, je crois, monsieur le commandant. Hein. Baissez cette arme, ne visez pas le commandant. Non, tranquille, peut-être qu'il le méritait. Calmez-vous. Par contre, attends, viens avec moi. Ils viennent de tirer sur deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais fait ça de... Par contre, Kader, attends, viens deux secondes, je vais te parler, parce que toi... Ouais, mais là, frère, gros, peloton d'exécution normal. L'officier ou je sais pas quoi, là, vous pouvez le dire, de venir avec moi. 33, allez avec le lieutenant 0-4, s'il te plaît. Le pire, c'est qu'ils sont tellement bien synchro. 69, excuse-moi, mais t'aurais pas pris de la drogue parce que... Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu fais des exécutions dans un putain de commissariat? Tu m'expliques un peu ce qui se... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Deux personnes. Déjà, de 1, c'est pas moi, et de 2, vous avez pas à me répondre. Vous avez pas à me répondre, mais c'est quoi, ça? Oui. Ok. Bon, vous êtes au courant que... Que vous êtes dans la merde. Hein, parce que maintenant... Vous êtes au courant que ce que vous venez de faire, c'est un crime? Enfin, un crime, après, je sais pas, peut-être qu'il le méritait. C'est quoi les chefs d'accusation? Franchement, 69, je comprends pas, donc explique-moi ce qui s'est passé. Parce ouais, expliquez, parce qu'on sait pas. T'aurais pas pu faire ça, à moins qu'il soit des fous. Moi, après mon capitaine, on réfléchi à la place du lieutenant. Non, moi j'allais pas le chercher. Moi j'ai rien vu, hein. Bah alors, dites-nous ce qu'ils ont fait, alors, putain. Ouais.
Ah, eux, bah, outrage à agent, refus d'en tempérer. Ça mérite une balle à la tête. Ah, bah. Écoutez, moi je pense que. Je pense que j'en peux plus, moi. Bon, moi, bah là. On a rien vu, mon capitaine, je pense qu'on a rien vu. Ouais, on fait ça? Moi j'ai rien vu. Mais attends, hein. Kader, t'as vu quelque chose, toi? Mais attends, c'est pas le mec qui s'est enfui là? 69, t'as vu quelque chose? Ah non, j'ai eu peur. Ah non. On va plutôt se concentrer sur l'individu qui a pris les LSD là, parce que ça c'est un peu plus important. Bon bah, ouais. 69 et 04, occupez-vous de ramasser les piettes, s'il vous plaît. Ça va? Je sais pas s'ils sont vraiment morts par contre. Ouais, par contre, ramassez vos... C'est vous qui avez fait cette bêtise là, les gars, ramassez vos conneries, nettoyez-moi tout ça. Ah, l'Omar Food, technicien sur base. Ouais, venez. Petite gouttelette là. Attends, j'ai l'escale. Navré de vous avoir présenté ça, c'était pas. Ouais, mais c'est vrai que je suis surpris de vos méthodes. Enfin, je sais pas. Non, si... mais le problème, c'est que moi, j'ai jamais. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de gentil, hein, je suis quelqu'un de. Hein, de. Mais bon, ça, je peux pas gérer ça. Je peux pas être derrière tout le monde en même temps. J'essaie de faire avec tout le monde. Comme si on n'a rien vu, mais là, le problème, c'est que s'ils sont recherchés par leurs familles respectives, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Qu'ils étaient armés. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, on dira ça, ouais. Je suis désolé, enfin... Ouais, dites qu'ils ont glissé contre les grilles, ça va. Et dites aussi à l'EMS qu'au fond, à droite, là, il y a un mec qui a pris de l'LSD et qui s'est évanoui. Ok. Alors, qui était sous ses effets de stupéfiants, bien sûr. Mais c'est chaud, c'est pas comment... Alors, vous inquiétez pas, mon commandant au niveau des boss qu'il a sur le crâne, c'est quand il est tombé. Comment ça, les boss? Oui, effectivement, Kader, t'es une grosse... Ouais, place. La tête a doublé de volume, mais vous en faites pas, on mettra un petit peu de glaçon et ça gérera. Mais monsieur, c'est pas des boss, j'ai pas vu ça, mais la partie gauche de... Mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, il est tombé, il a glissé, chef. Commandant, les deux individus là-bas, ils sont pas morts, ils ont reçu une balle à l'épaule. Ah, ça va. Il a sucé la plainte, je crois. Écoutez, cette situation devient contrôlable. En même temps, regardez, monsieur, les plaintes que vous mettez là, c'est quoi? C'est du... 3 cm d'épaisseur, c'est normal. Hein, lui. Attendez, laissez-moi taper un petit peu. Ouais, c'est solide. Ouais, bon. Donc, vous êtes occupé à me dire que cet individu est sous LSD, que vous l'avez frappé? Non. Ah non. Qu'il est tombé. Non, il a glissé, chef. En fait, je vous explique, il était comme ça. Ouais. En fait, il s'est dit, oh, je suis pas très bien. Et là, il est tombé. Vraiment, il est. Et je pense tombé que ça a un impact, ça. Ouais. Bam. Et là, oh, regardez. Attendez. Je vais essayer de vous montrer. C'est l'impact au niveau de tête. Si on regarde bien, il y a une trace d'ailleurs. Regardez, un peu de sens. Si, si je me laisse tomber en avant. Ouais, effectivement, ouais. Vous voyez? Ah, ouais, mais faut pas faire ça, monsieur, vous êtes débile ou quoi? Vous pouvez me le montrer, mais pas le faire. C'est ce que je veux dire? Enfin, soit, une ambulance est plus qu'important, là. Bon, il a l'air très débordé, hein. Ça va être chaud. Quand même pour une première journée, balance. T'as vu, hein? Ouais, mais t'es une t'as de la chance, balance, ouais, là, on a du taf, là. T'es une poucave, quand même. Ouais, bah normal, en même temps, ouais, j'ai pas mouillé, moi, pour l'instant, tu vois, j'ai toujours fait mon taf bien dans les règles de l'art. C'est bon, la situation se contrôle. 04 va gérer l'individu au fond, ça va. Et pour la délinquance qu'on voit, on a vu dans le parking central, là, il faut qu'on intervienne aussi. Hein. Ouais, exactement, donc... Faudrait peut-être qu'on y aille en sur-effectif cette fois-ci, on se présente, ça va peut-être les le problème, c'est qu'il y a trop d'effectifs, là. Et les dissuader, ouais. Tous les effectifs sont complets. Aux hommes porteurs, vous inquiétez pas. Ah, je savais pas que le cirque Zavata faisait une presta ici. Donc, bonjour, monsieur. Vous pouvez rentrer, hein. Allez-y, attends. Mais attendez, vous avez déjà vu. Mais non, mais c'est... On s'attarde, les gars, on s'attarde un peu sur le papillon du... monsieur le MS, pouvez-vous juste faire votre travail et... Il est sérieux, lui. Évitez de discuter, s'il vous plaît. Vous voyez pas qu'il y a des gens ici qui souffrent? Qui souffrent? Voilà. Prenez ces deux individus 04, ramenez-les dehors directement et vous laissez partir. Attends. Je vais les menotter parce qu'ils sont dangereux. Bon, occupez-vous de... Il y a la personne, salle d'interview numéro 4. Hein. Numéro 4, je crois sur vous. Hein. Non, j'en peux plus. On va y aller. Ouais, on y va. C'est bon, je... Vous imaginez un truc, c'est que ça fait 4 heures que je suis là, et j'ai perdu 4 heures. Hein. Franchement, j'aurais pu être en vacances, tranquille. C'est incroyable, cette ville est incroyable, franchement. Excusez-moi, mon commandant, il faut toujours être en alerte, monsieur le commandant, toujours être en alerte. Le problème, c'est que c'est compliqué. J'ai l'impression que ce pantalon grossit un petit peu, je sais pas si c'est un 40. Non, ça va, tu vas faire des changements après, pour l'instant, non, on n'a pas le temps, là. À la boutique et je repasse. Comment ça, c'est un 40? Non, il n'y a pas de 40. C'est ça. Allez, bonjour, messieurs, excusez-moi. Bonsoir. Très...
Arrêtez de bloquer l'entrée principale, s'il vous plaît, monsieur, là. Oui, monsieur, en pantalon rouge, je peux savoir ce que vous voulez. Je reviens. Désolé, j'ai dû partir pour cas d'extrême urgence. Ok, d'accord. Mais habille-toi vite, dépêche-toi, on a besoin d'aide. Prends une Adam, là, s'il te plaît, tu veux en garage central. Bah, viens sur TS. Allons-y. Bonjour, monsieur. Attends, il est ouf. Mais t'es même pas la politesse, c'est limite, hein. Oui, j'ai un léger temps de réaction, je suis désolé. Oh bah, circule. C'est toi qui Doit-on comme Discord, vas-y. C'est toi qui Pardon. C'est quoi? Merde, T'as bien entendu, me regarde pas. Dépêche-toi, viens prendre ton service, là. Tu peux me remonter, j'étais en train de parler à ce Ouais, mais dépêche-toi, hein, t'attends. C'est pas parce que j'arrive, t'inquiète. T'es obligé de manquer de respect aux gens, en fait. Voilà, monsieur, comment vous manquez de respect, là? On dit pas flic, on dit policier, déjà. Bonsoir, monsieur. Vous m'avez dit la compte Taras, je vous rappelle. Comment ça, monsieur? J'ai dit, j'entends. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez de vous embrouiller pour des bêtises. Monsieur Rastaquerman là, vous y allez, il se passe quoi? Dites-moi. Votre ami blond là, il a dit de dégage la compte Taras. Bah, pas du tout. J'en doute, j'étais là, il s'est rien passé. J'ai dit, je trépasse. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, monsieur, vous êtes là pour quoi? Dites-moi un petit peu. Moi, je suis venu ici pour venir ici, il a pas à me dire de dégager. D'accord, donc ce que je vais expliquer, c'est que là en ce moment, on est en code. En DEFCON. Comme d'alerte d'urgence, en DEFCON. Donc, s'il vous plaît, veuillez circuler, restez pas ici. Je rappelle que cette place ici, c'est une propriété privée pour la police. Donc vous dégagez maintenant. Quand même pas là, il y a quand même pas à m'insulter, c'est pas parce que c'est une autorité. Ouais, très bien, bah c'est bon, il vous insultera pas, mais s'il vous plaît, disposez maintenant. Merci. Allez, allez, hop, 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 on y va. Bougez, s'il vous plaît. Monsieur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut en parler. T'étais médiateur, donc t'as l'habitude de parler avec ce genre d'individu. Putain, mais les mecs, qu'est-ce qui branle à rester ici là? Qu'est-ce qui se passe, Kader? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es énervé? Non, je suis pas énervé, mais bon, il allait pas rester là. En plus, il a dit, ouais, je reste là pour rester là. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le commandant? Ouais, ouais, ouais. Excellent. Bon, par contre, Nantis, vous êtes parti où là tout à l'heure là? Vous êtes parti sans prévenir? Je veux savoir. J'ai eu une urgence. Ah, ok. D'accord. Personnel? Repos, Derka. Personnel ou quoi? Parce que si c'est une urgence, repos Vito. Peut-être qu'il me connaît, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il doit me connaître. Parce qu'il m'a mis bien. À mon avis, il doit me connaître, il doit apprécier ce que je fais. Ouais, bon, par contre, j'en perds mes mots, mais il faut qu'on aille. Peut-être qu'il me connaît pas. Peut-être qu'il a kiffé simplement le RP. Quelqu'un peut s'occuper de nous? Ouais, c'est quoi le problème? On vous écoute. En fait, tout simplement. Vas-y, je te laisse commencer. Oui, pas de problème. Merci. En gros, j'étais donc en train de travailler et on m'avait conseillé, donc à Papillon, on m'avait conseillé, vu qu'il y avait des soucis avec les véhicules d'entreprise, de prendre mon véhicule pour personnel. Donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Papillon encore? Putain, Attendez. Et du coup, en gros, j'étais dans mon véhicule en train de travailler et j'étais en train de rendre de vider mon véhicule de barquettes de poulet. Et d'un coup, alors qu'il était juste à côté de moi, il a disparu d'un coup et je me suis retrouvé sans véhicule. Attendez, j'ai juste une petite question. Poulet cachère? C'est quoi toutes sortes de poulets en fait, je suis ouvert à tout pour toutes les... Non, mais non, vous gérez une volaille, c'est ça? Pardon? C'est toutes sortes de volailles, c'est ça? Mais vous faites quoi en fait? Vous les abattez? Non, vous pas les toutes sortes de volailles, c'est un abattoir. Hein. Pardon? C'est un abattoir ou vous faites du dealing de poulets? Bah non, c'est à l'abattoir, enfin... D'accord, mais le poulet, c'est le... En fait, il vend le poulet aux personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, au restaurant, d'accord, ça peut être... Oui, au restaurant, oui. Voilà, ça peut être du poulet blanc, du blanc de poulet, de la cuisse, poulet curry, des ailes. Poulet coco? Ouais, un peu de tout, ouais. Non, mais c'est sérieux, messieurs, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Bon, ok, bon, on va essayer de voir, on va essayer d'enquêter là-dessus. Et moi, j'ai un problème aussi, du coup. Ouais. Bah, en fait, il y a aussi une petite journée. Je me balade tranquille avec mon véhicule de travail, parce que je suis aussi dans le poulet. Et bah, j'ai le même problème que monsieur en face. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, poulet par-ci, poulet par-là. Du coup, il parle. Attendez, messieurs, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement ce qui se passe? Parce que je comprends rien. Vous me parlez de papillon, de poulet, de volaille. Qu'est-ce qui se passe ici? Le truc, c'est que donc. Non, rapide. Il a pas fini. On travaille à l'abattoir. Ouais, ça, première info. Deuxième info, rapide. Rapidement, quand on travaillait, notre véhicule a disparu. Ouais, véhicule disparu, voilà, rapide, ça, encore. Vous voyez qu'on doit aller. Comment dire, c'est pas. Il a pas été volé le véhicule, quoi, il a disparu. Oui, il a vraiment. Il y a eu de la magie noire et du coup, il a disparu d'un coup. Voilà. Mon commandant, ça sent clairement le dropshipping de poulet. Quoi?
Ou la consommation excessive de champignons, c'est ce qui arrive souvent dans cette région. Vous savez ce qu'on va faire ? C'est pour faire ça. Au pire, on peut se rendre sur la radio, sur la radio de la ville. Et ouais, exactement. Allez sur la radio de la ville. Ok, parfait. Demandez de l'aide aux papillons, comme vous dites. Nous ne sommes pas des papillons, nous sommes de la LFPD, monsieur. Oui, non, mais on ne sait jamais. Voilà, on est venu vous voir. Non, non, mais c'est, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, parce qu'on on a des choses à faire. On est pressé. C'est pour ça. Ça va ? Ok, vous ne croyez pas quoi. Allez. Non, non, je vous. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave, pas grave. Tu commences à m'énerver, toi. Hey, tu, qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis qu'il y a des choses à faire et qu'on a plus important que ça à parler de volailles et des culs qui disparaissent. Si t'as un truc à dire, un vol de véhicule, tu viens au commissariat, tu poses ta plainte. Par contre, vous parlez à la mauvaise personne. Ouais, bon. Bah, on s'est tous les deux fait voler, mais oui. Ouais, bah fais-tu ouais, pas. Quand il est à fleur d'homme, c'est vraiment le cas. On va aller à l'accueil, on va porter plainte. Merci beaucoup. On va porter la radio. On va porter plainte pour du poulet, j'aurais tout vu, mon capitaine. Ouais, ouais, mais ça, c'est des petits cons, ça. Il faut pas faire attention à ça. Bonjour, monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il veut, Allen Iverson, là ? C'est des racailles. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi, frère ? Bon, allez, circule. T'as encore de la merde. C'est pas pour moi, donc... attendez au commissariat. Il y a Bavure, là, Derka ? Non, pour l'instant, non. Il a juste qu'à rester là. Et tout se passera bien. Je sais pas ce qu'il veut, le Renoir, là. Monsieur, vous êtes nouveau, de quoi, qu'est-ce que je veux ? Je suis stagiaire. Il t'arrive quoi, là ? Pourquoi tu t'agresses ? Quel stagiaire ? C'est-à-dire de quoi ? Tu viens pourquoi ici, en fait ? Il est avec moi, pourquoi tu t'excites, là ? Mais je m'excite pas, je te parle normal. Ah, t'es stagiaire MS. D'accord, très bien. Avec un médaillon qui touche à ton pénis, t'es sérieux ? Est-ce que c'est une tenue réglementaire pour être MS ? Oh, je suis stagiaire, est-ce que je suis MS ? Oui, c'est stagiaire encore, monsieur. Et sautez pour voir si vous sautez au pouvoir. Est-ce que je touche les corps ? Non, je touche pas les corps. Monsieur, sautez pour voir si vous sautez au pouvoir. Monsieur le MS-man là, c'est vrai que c'est votre stagiaire et pourquoi il a cette tenue-là, s'il vous accompagne ? Parce que c'est un stagiaire, il va pas s'habiller des trucs. Ouais, mais non, normalement il devrait porter la tenue adéquate. C'est pas une tenue ça. Ça manque d'hygiène. Monsieur, oh, mais vous travaillez aux EMS ou aux LSPD ? Monsieur, vous là. Non. Mais qu'on lui donne une tenue, en plus il y a les odeurs qui vont avec, donc ça va pas le faire. Toi, ton dégradé. Ah ouais. Tu peux sauter, s'il te plaît, pour voir si tu sautes. Oh là, vas-y, saute. Bien joué. Et comme je te disais depuis tout à l'heure, c'est juste un stagiaire. Et nous, on n'est pas venu ici pour discuter. Un stagiaire 3ème, donc ça va, donc c'est que 2 semaines. Ok, d'accord, ça va mieux. Monsieur le MS. Ouais. On m'avait dit que vous avez besoin de quelque chose. Oui, voilà, je suis venu ici parce que j'ai mon capitaine, appel, je pense qu'on a beaucoup plus d'urgence. Ouais, mais je vous attends dans le on y va, on y va. Qui va avec qui ? Du rythme, du rythme, du rythme. Je pars avec 33 et 23. 69, partez avec. Itachi. Je suis occupé, monsieur. Désolé. Monsieur Aziz, il est présent ? Oui, monsieur Aziz est présent. Vous savez pas où il est ? Actuellement, je sais pas. Ouais, on peut y aller. C'est un. J'ai l'impression que nous sommes harcelés. Mais le problème, c'est bien ça. C'est tout le monde vient au commissariat pour venir au commissariat. C'est comme le confinement. C'est la même chose. Les gens sortent se promener pour aller faire les courses. Exactement. À qui vous le dites, toi ? Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, à mi-temps, je travaille en supermarché. Je suis le premier à aller au commissariat. Je vous dis pas les gens qui viennent dans les rayons juste pour. Ils sont là, tranquilles, ils discutent et tout. C'est incroyable. Quoi. C'est là, ils viennent à côté de toi alors qu'on leur dit 1m50. Ouais, enfin, bah... Bref, ça n'a rien à voir. Bref. Excusez-moi. Je... À qui de droit ? Pourquoi il y a un bateau Pardon ? Sous le fond, mon capitaine. Vous avez vu un bateau ? Effectivement, j'ai vu un bateau. À droite. Ah ouais, c'est le reste d'un Zeppelin. Christophe Colomb qui fait encore des siennes. Faites pas attention, je vais appeler la fourrie. Bon bah c'est des choses qui arrivent, hein. Bon c'est pas grave. Bon, comme je vous l'ai dit monsieur le commandant, on est un petit peu débordé au niveau du parking central, entrée de la ville. Il faudrait peut-être les calmer un peu là. Oh, excusez-moi, excusez-moi, je suis déconcentré. Excusez-moi. Y a pas de souci, Mflao. Merci. Je pense que Darka avait raison. Il faut prendre le problème directement en bas des couilles, au niveau du Pôle Emploi. Vrai reconnaissent vrai. On va quand même passer d'abord devant le garage central, parce que c'est. Tu penses, Pierre Gardon ? Au moins c'est fait. Ok. Garage central, c'est sécurisé. Non mais il joue bien au-delà de ça, les mecs. Ça se voit qu'il veut mettre du rythme et qu'il essaye. Y a pas de temps mort avec lui, donc c'est pas mal. Bah oui, Senzus, on essaie de faire les choses bien, quoi. En termes d'RP, c'est pas mal. On approche. Préparez-vous à descendre. Et encore, y a pas eu Alexia, je sais pas si elle va venir. Tu vas venir, Alexia, je crois. Tu voulais préparer un truc. J'ai vu dans le chat que tu voulais préparer un truc avec des MG. Franchement, le serveur pour un frère Alexia, c'est pas mal. Qu'il y a une femme.
Attends, c'est pas allé. Bonjour monsieur. Hola señor. C'est quoi ça? Bonjour monsieur. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez vos papiers monsieur sur vous? Bah si, je viens d'arriver en ville. Et êtes-vous résident dans notre pays? Aussi, pour le sud. Pouvez-vous nous montrer vos papiers s'il vous plaît monsieur? Quoi, bon bien sûr, je peux le faire ça, hein. Attendez, ouais. Regarde mon portefeuille. Ah, d'accord, pourquoi vous venez d'arriver, vous venez dans cette ville les gars, c'est... Vous faites... Alfonso bah, Sanchez. Je ne suis pas la bienvenue. Non, non, vous êtes la bienvenue, ouais, France. Mais... Attendez, je vais vérifier problème, ça dans le scanner de la voiture. Attention, une agression arrive, est arrivée, on essaie de faire notre travail, c'est juste qu'en ce moment, c'est un peu tendu, quoi. Ah bon, il vous faut un coup de main? Non, non, pour le moment, ça va, ça ira, on essaie de mettre les choses en place. Ah, vous savez, il peut être l'agent de police, hein. Ouais, par contre, monsieur, je peux savoir d'où vous venez? Ouais. Il y avait un petit pour le ok, bon, mon capitaine, ok, je vais faire vérifier sa carte de séjour, venez ici. Je viens de le faire, il y a une défaillance au niveau du système, je ne le trouve pas dans mes fichiers. Comment ça vous le trouvez bon, pas dans encore un qui est passé en dessous du mur de Mexico. Alfonso, okay. Alfonso... Alors, appelez pas Donald Trump encore, hein. Vous connaissez le régime politique du pays, monsieur? Si, si, il a modifié tout, mais apparemment, oui. C'est pas encore synchronisé. Ouais, ouais, c'est ça, tu vas nous faire croire que t'es réfugié politique, c'est ça? Alors que tout se passe dans ton pays? Eh, pourquoi c'est tant d'agressivité? Tu veux qu'on règle ça sur la ligne, toi, quoi? Non, non, y'a pas d'agressivité, Mollo. Darka, rangez votre matraque, s'il vous plaît. Rangez votre matraque, on est pas là pour... Blablé, hein. Non, écoutez, déjà, vous allez bien parler à mes officiers, on va commencer par ça. C'est lui qui s'est emballé, ensuite... Non, vous allez vous calmer tout de suite. Pardon? Ok. Tasez-le, s'il vous plaît. Menace de violence? Ok, non, tasez-le, on est là, passez-le. Si tu es les colonnes, on l'a tout de suite. Quoi? Mon capitaine, il vous provoque en duel, je pense que vous devrez m'accepter. Et non, tu peux pas faire ça, toi. Bon, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Je vais être très très gentil avec vous. Si vous voulez pas que je vous gifle devant tout le monde, restez calme, poli, d'accord? Répondez juste aux questions. On vous demande pas plus. Non. Il est pas agressif, il discute avec vous. Excusez-moi, là. Tenez votre position, s'il vous plaît. Arrêtez de partir. C'est juste que j'ai un gros problème avec les clandestins, en fait. C'est juste ça. Il est arrivé en ville, et ça y est, on recherche les noix. Non, on vous cherche pas les noix, on pose des questions. Bah, vérifier ta carte de séjour, alors. Tu vas devoir te faire recenser. Parce que des clandestins comme toi, j'en en croise pas mal. J'ai une avec votre voiture là, on peut pas passer là. J'en ai rien à foutre, monsieur, c'est pas mon souci. Ouais. On est actuellement en intervention. Monsieur. Allô, Lionel. Viens le pas à l'envie. Si, monsieur, un petit billet, please. Mais tu parles à qui? Ah, il parle à la société Lionel. Tu connais Lionel? Bon, Enrico Iglesias là, tu vas pas nous casser les couilles longtemps? Bon, Enrico, ça c'est du racisme ça. Non. Mais ta carte, entre nous, elle est fausse, hein. Et t'as payé combien le passeur? Il a payé quelques pesos, si. D'accord, on veut bien, tu peux rester, mais je te jure que je te croise pas dans l'envie dans des affaires de crack, ok? Et de la merde. Et pourquoi? Il a une tête de drogué, quoi? Ouais, cette moustache en dit long. Et te le dis, on se le voit, on se bastonne quand tout va bien. Pardon? Eh quoi, il a dit? Tiens tes propos, je te dis, tiens tes propos. Je surveille l'entrée, Derka, tu fais ce que tu veux, je surveille. Hey, hey, c'est quoi ça? T'as intérêt à t'excuser dans les 3 premières secondes, je te dis direct. 3. 2. Bah, tu m'as dit 30 premières secondes, il y a des temps, alors. 2,5. Non, vous pouvez pas faire ça, il vient d'arriver. 2,75. Eh, il y a tout le jeu, il te casse la gueule, hein. Oui. Bravo, il était agressif. Ouais, il s'est montré menaçant, il a voulu m'agresser. Heureusement que j'ai réussi à gérer ça de main de maître, monsieur. Wow. Monsieur commandant. Comment t'as fait la reverse? Bien joué. Ouais, il s'est approché de moi, je lui ai dit non. Ça m'étonne pas lui, hein, il cherche les noises. Il demande la bagarre, c'est normal qu'il à un moment donné s'énerve. Hein. Et il est bien raide par contre, j'ai l'impression. Ouais, mais on va appeler les EMS, ils vont venir. Après, le mur est juste derrière, on peut le jeter par-dessus le mur. Non, les gars, c'est quand même un civil, on le respecte. Hein. Ça, ouais, c'est on va respecter. C'est pas parce qu'il est agressif que. Là, il a des droits, il est égaux. Hein. Enfin, nous sommes égaux, pardon. Exactement. Il est quand même venu illégalement sur le. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas, hein, ce mec-là. Hein. À mon avis, le taco, il devait être bien épicé. Il faut faire attention, il faut juste faire attention. Bonjour, capitaine. Ah ben, ça j'ai fait longtemps, vous. J'ai repris un peu ma tenue à l'SPD parce que l'ancienne, elle me laissait pas en survaleur. Du coup, là, ça me laisse en valeur. Vous savez combien? Ah bah ouais, vous êtes très en beauté. Hein. Bah non, j'étais en patrouille avec un collègue, là. Attendez, vous êtes... C'est celle que vous m'avez présentée, on est d'accord, hein, c'est bien elle. Hein. Ouais. C'est... Bah oui, c'est moi la petite. Vous avez patrouillé avec qui? Bah je sais pas, il m'a dit elle ouais, était collègue, là avec monte. Moi. Je suis montée.
J'espère que vous avez rien fait avec les autres officiers. Hein. Parce que je vous jure, ça va mal aller. Ou par contre, est-ce que quelqu'un aurait du pain? Je commence à vraiment grogner du ventre là. Dans la voiture, ok, dans la voiture, vite. C'est qui cette grosse folle? En tout cas, Ellie, je crois qu'elle a deux gros pains bagnards, ça pourrait lui servir, mais bon. Étant donné que je l'ai déjà vu à poil. Pourquoi il est mort lui? Vous avez un sacré bol. Eh, parle bien de mon ex là, tranquille. Elle était dans les caves avant. Ouais. C'est qui lui? Enchanté? Ouais, c'est enchanté, un gars, ouais, je l'ai. Là, je te présente, ça s'appelle Vito, ouais. Laissez-moi baiser votre main. Il traînait dans le bas. Il faisait de la. Baise autre chose que ma main, hein, vas-y. Ah, bah écoutez, moi je suis pas de ce bord là. Hein. Je suis désolé, grosse truie. Ça va être dur. Quoi? Hey, parle au trou. Viens avec moi, c'est parce que. Viens avec moi. Je vais te faire redevenir hétéro. Mais comment ça? Mais elle veut me suzax, j'ai l'impression. Vas-y, t'inquiète, elle fait ça bien. T'inquiète. Vas-y, viens avec moi. Viens, on se met là. Comme ça, le commandant il ne voit pas. Vas-y. Là, tu vas me dire, t'es pas attiré par une femme, si je fais ça. Bah, vas-y, j'ai baissé mon pantalon, je suis en caleçon devant toi, tu vas faire quoi maintenant? Ah, il a toujours une bite molle, hein. Wow, ça monte pas. Ah ouais, pas mal. C'est compliqué, là. Je pense qu'il faudrait dire que tu la mettes en bouche. Normalement, du chauffé. Pas ici, je suis pudique. Ouais, ma petite couille, à ce que je vois. Ça a une grande gueule, mais ça encaisse pas dans la bouche. Hein, on les connaît. Ouais, parce encore. Que c'est de la peau quand tu le fais en fait avec d'autres hommes. En fait, c'est ça, la magie du truc. Ouais, ouais, c'est ça qui m'attire. Faudrait que j'essaye un de ces quatre avec des hommes. Jusqu'à m'imaginer. Allez voir le commandant lui au moins. Bon, alors on y va. C'est ton ex? Ouais, mais une ex de cave, tu vois, le genre de meuf en sex friends quoi. Ouais, bah. Ça se voit, c'était la pute du checker, mais tu vois, on essaie de lui mettre bien ici. Ouais. Elle m'a rendu quelques services, je t'expliquerai. Il est parti où le capitaine? En fait, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de capitaine. Hein. Putain, la ça. Bagnole quoi. On va devoir y aller à pied, fait chier. Mais non, je vais en voler une. Bon, après, elle a sermenté dans le fond. Ouais, elle a un gros pétard, c'est vrai que je l'imaginais. Voilà, quand je l'avais à l'époque, elle était sacrément poilue. Donc ça rajoutait un petit côté Chewbacca quand j'étais juste derrière elle. J'aimais bien, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de virer légèrement un petit peu gay par moment. C'est vrai? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pensées Vas-y, je vous dépasse. Reste concentré, je t'ai dit. Fallait lui proposer ta baguette. Pire, en patrouille avec ses voitures, au moins, on est ni vu ni connu, tu vois. Déjà, t'es pas connu, t'es qui? Comment ça, ex de cave? C'est quoi, on n'a pas le droit de dire ça? Je m'appelle... T'inquiète. Mais elle est où par contre, le commandant, on n'a pas d'informations là, je reçois rien en radio. Ouais. Attends, je vois. Bon bah, je pense que si le commandant est mort, c'est toi le prochain commandant, Derka. Attends, Ah ok, je peux rentrer, monsieur. Excusez-moi, il Vas-y, est où Vas-y, tiens, le moi, je vais décrocher un étoile. Je sais pas. Bon bah, on a perdu le commandant. Ah! Bah, je vous laisse la voiture. Eh, il est où le commandant? Je sais pas. Oh putain. Noté. Bah, le temps qu'il revienne, faites pas n'importe quoi. Ouais, monsieur, vous avez quoi noté? On note. Mettez votre téléphone de service, s'il vous plaît. Merci. C'est le 730-70-41. Mm-hmm. Et c'est monsieur, l'avocat... Les bon, gens... en attendant, le commandant a dit que c'était le chef provisoire, donc vous écoutez mes ordres, voilà. Faites ce que vous avez à faire pour l'instant et je vous donnerai les deux nouvelles directives dans peu de temps. C'est quoi votre nom, maître? Vous avez le commandant à côté là ou pas? Vous pouvez lui le dire dans les messages radio? Là, je l'ai pas actuellement, mais en tout cas, je suis l'intermédiaire, voilà. J'attends un ordre, moi. Bah, l'ordre pour l'instant, c'est de rester en stand-by et faire votre travail, voilà. Ok, très bien. Allez, vous pouvez aller. Allez, hop, je suis directeur de la police. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Attendez. Ah, rien, j'ai cherché quelqu'un. On t'a dit d'attendre.
Tu fais quoi ici en fait? Enfin, vous faites quoi là? Je comprends pas. Quoi? Vous faites quoi ici en fait? Vous attendez qui? Bah, j'attends mes collègues. Quels collègues? Vous êtes là pour ramasser des poubelles, c'est ça? Non, j'attends mes collègues, ils sont là dans deux minutes. Quels collègues vous pouvez faire? J'ai une commande de 600 chicken tandoori au nom de Derka. Les ai au téléphone avec mon oreillette. Attendez, venir. Pour les poulets, vous laissez derrière le comico. Monsieur, je vous parle. Ok, parfait. Laissez le camion tranquille, on servira. Ok. Je les ai dans l'oreillette et je les entends. Ils me disent qu'ils viennent. Ils viennent dans deux minutes. Bon, t'as l'air de te foutre de ma gueule, toi, viens ici. Comment ça, je me fous de ta gueule? Bon, t'es schizo, c'est ça? T'as des problèmes de mentaux? Mais non, monsieur, ils arrivent dans deux minutes. Comment ça, ils arrivent? C'est dans ta tête. T'entends des voix, c'est ça? Mais non. Monsieur, on est en appel. Comment monsieur, ça, en appel? On est en appel avec mes collègues. Ils arrivent. Monsieur ouais. Chicken, là, essayez de lui parler, je crois qu'il est un peu fou. Il dit des conneries, il dit de la merde. Bonjour, monsieur Chicken. Vous voulez du... Bon, il est où le commandant? Oh putain, c'est tellement bien d'être flic. Oh là là, je peux aller partout. Oh là, l'autoroute du kiff. Je vais passer par là. Attends. Merde. Oh, et puis merde. Ah, il est mort? Il est mort? Il y a un truc que je comprends pas, 04. Ouais, ouais, dis-moi. C'est quoi tous ces officiers, tous ces lieutenants? Ils ont pas la radio? Excusez-moi, c'est quoi ces personnes avec des pulls jaunes? J'ai la radio, il faut me dire la fréquence. Attendez, monsieur. Radio 1? Attendez, vous pouvez dire. Y'a pas d'attendez, sortez. Vous pouvez dire au monsieur qui est là-bas. Va te ronger les ongles dehors, allez, dehors. Ouais, dis-moi. Bah, moi, c'est code Abdelbachir sur la radio 1. Vous voulez que je m'active? Bah je vois pas en fait. Ah. Abdelbachir. Ah ok. Mais mettez juste juste votre micro et pas complètement la radio. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, on a des petits problèmes avec les messieurs en bas. Ouais. Les messieurs en bas n'ont pas d'oreillettes, n'ont pas de téléphone, n'ont pas de radio, mais ils arrivent à communiquer avec les messieurs à l'extérieur. Du coup, les messieurs à l'extérieur viennent nous casser les couilles. Du coup, ils ont appelé des papillons, là, des papillons qui volent très très fort et on va avoir beaucoup de problèmes. Il faut le commandant. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Mais le commandant, il est invisible au radar, là. Il est où le commandant, là? Là, il se passe quoi, là? Il se passe quoi, là, en fait, là? C'était fermé par derrière, du coup, je vais livrer les chicken tandoori ici. Non. Bon, tu dois livrer ça ailleurs. Vas-y, dehors, et tu reviens dehors, plus. Dehors, sinon je te tase. Tu reviens plus là, c'est bon. Allez. Oh, oust. Allez. J'ai double. Oh, et si tu reviens, c'est fédéral. J'ai triple la reverse sur les individus. Ouais, bah c'est bien joué. Bah, on va plus qu'à appeler. Pouleman là, viens ici, Pouleman. Souleyman, viens ramasser les corps là, ça te fera des poulets ça. Bon, tu vois rien, je vais me faire plaisir vite fait. Vas-y, t'inquiète, c'est causeur. Pute là, faire n'importe quoi, venir. Vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Bon, bah, je pense qu'on va partir directement. Allez, go, patrouille. C'est parti. Je ramasse. Vas-y, hop. Vas-y, on va patrouiller un peu là. On va faire une petite dernière patrouille. Et après, ça aura été bien complet. Attends, le commandant est mort? Je sais pas ce que c'était cette histoire de chicken tandoori, mais... Commandant, par contre, vous êtes contacté par les monsieur papillon admin dans besoin d'aide. Je suspecte. Parce que c'est la merde, voilà. Merde, je suis sur Discord. Vous mettez sur le côté, monsieur. Sait-on jamais. Ouais, hein, le sait-on jamais, comme... Garez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît. Doucement. Wow, c'est le bordel, en fait, ici. Excusez-moi, officier. Continuez votre patrouille, je m'en ai plus. Commandant, vous m'avez entendu? Je crois qu'il est genouillé.
Radio Abdelbachir, matricule 23, besoin d'informations concernant le commandant. Commandant à terre, à quel endroit? Je viens en intervention, je suis en véhicule. Pôle emploi, s'il vous plaît. Pôle emploi, on arrive, on intervient. Faire quoi là? Constat, monsieur. Monsieur. Il n'y a pas de constat, regardez, vous êtes garé sur un passage piéton. Et alors, vous avez foncé sur ma voiture quand même. Monsieur, s'il vous plaît, on n'a pas le temps, on doit s'occuper du commandant, c'est une urgence. Bon, écoute-moi bien là, On fait un constat. Il n'y a pas de constat. Tu es garé devant un magasin. Ton constat, tu passes au commissariat. Tu passes au commissariat, tu feras ton constat, ok? On fait un constat. Non, maintenant. Pardon, c'est moi, j'ai une espèce de con. Bon, il veut pas comprendre. Ouais. Ah, en plus, vous sortez votre arme? Non, vous avez l'air menaçant. J'ai une urgence, je dois aller récupérer mon commandant. Donc maintenant, vous circulez. Non. Vous allez faire votre constat, on viendra vous récupérer dans une heure. Non, maintenant. C'est quoi vos matricules, messieurs? Matricule 23 pour mon cas. Et bon, il avait pas l'air de comprendre. Déjà, dernier avertissement, si dans 10 secondes vous circulez pas. Mais vous le traitez de con. On peut vous dire blondiné, bon. Bon, le suceur de service là, Jean Youssef, là, tu peux dégager s'il te plaît? Va t'acheter des fringues. Pardon là, t'as des gaines de merde. Pardon, enlève ton gilet pare-balles, pose ton insigne, viens, je te nique ta mère, trou de balle. Ok, bon. Recule de deux pas s'il te plaît, j'ai pas envie de m'être recuté en même temps. Recule. Bien joué. Allez, dégage. C'est pas moi. C'est pas moi. Je crois que tu t'es trompé, Kader. Bah voilà, on entend moi ta grande gueule là. On entend moi ta grande gueule. Maintenant, tu te calmes, ça va te calmer, sale fils d'eux. Et t'arrêtes de nous faire chier. Oh, il a tué mon collègue. Fils de pute. Bien joué, merci Kader. Voilà, tu te mets juste au-dessus de ton pote, essaie de l'enculer, sale bouffon, va. Allez, voilà, bon, c'est bon, allez, on y va, on a une urgence. Monte dans le véhicule, monte dans le véhicule. Pôle emploi direct, pôle emploi direct. Pôle emploi. C'est donc ça la puissance. C'est donc ça la puissance de Lego RP, putain, c'est tellement bien. Moi, ce que je mets en conduite. Ouais mais les gars j'ai pas le temps les gars, c'était pour faire... Dépêche-toi, arrête de faire n'importe quoi. vous êtes où, commandant? Oh, qu'est-ce que vous faites, là? Calmez-vous, là. Vous avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux savoir ce que vous venez de faire, là, Vito? Bon, je suis pas, il fait mais n'importe quoi. Civil, là. Non, là, il fait n'importe quoi, là. C'est un stalker. Ah non, il fait n'importe quoi. Ok. Il a ce roux. Bon, monsieur le commandant, je pense que vous pouvez démettre de ses fonctions, mon cher collègue Vito. À mon avis, là, il est en train de déraper. Bonjour, écoutez, venez déjà dans mon véhicule. Venez, on sort d'ici. On va avoir affaire à tout le monde. Venez. C'était une personne malveillante. Hein. Ah, voilà, encore. Venez, montez. Ah, ouais. Ah, il y a deux véhicules. Mettez en fourrière le. Ouais, il y a tout le monde qui est là, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire n'importe quoi, Vito. Dernier avertissement. De n'importe quoi, là. Bon, poursuivez-moi cet individu là, dépêchez-vous. Le mec derrière moi là. C'était une personne avec un. Ce qu'on appelle un RPG dans le jargon. Bah oui, allez. Et la personne en face est lourdement armée aussi. Ouais, mais le. Putain, et lui il arrive à faire un saut lui. Tu vas voir. Il y a un convoi qui a été emmené. Je sais pas, Farfadé, il faut que tu reviennes avec un VPN. Derka. Pardon? Effectivement. C'est pour ça que j'ai procédé. Ouais, il a tué le stalker, mais faut pas qu'il le fasse devant le commandant. On passe ici. Ouais. Parce que sinon il va se faire ban. Bêtement. Attends, j'appelle la personne devant. La personne renfort radio, renfort radio. Beaucoup de personnes qui tentent à la mort d'un des officiers. Mais qui t'a ban? Faut que tu m'envoies, je peux pas savoir qui t'a ban, gros. Attends, je regarde qui t'a ban dans les logs. C'est Relix. Pourquoi tu l'as ban, Relix? Putain, merde, comment? Il va se cracher, hein. C'est les oulala. Derka, qu'est-ce qu'il me raconte là, Vito là? C'est vrai tout ce qu'il dit là? De quoi? On attend ta voix de vie. Ouais, c'est vrai. Tassez-le, il est à l'arrêt.
Ah ah, remonter. Oh putain, ça va. On l'a perdu. Non, ça va aller, ça va aller. C'est pas grave, c'est pas grave, on l'a perdu, on l'a perdu. Pourquoi ça marche? On a besoin d'unité là, l'effectif qu'est-ce qu'il fait là? Bon, et, les gars, écoutez, vous arrêtez d'écouter les putains de papillons là, de mes couilles, hein, et vous commencez à faire votre taf. Si ils veulent, ils sont pas contents, ils ont qu'à nous virer. Parce que nous on essaie de faire au mieux qu'on peut, mais s'ils sont pas contents, on s'en fout. Hein. Ouais, mais non, pas, je parle pas de vous, je parle de laisser vous. Bon bref, vous m'énervez. J'ai pas vu. Putain. Date pétage de câble. Bon. Ouais, moi j'ai les gars, on va continuer à patrouiller sans problème, hein, ça va. On oublie toutes ces histoires là. Oui, vous avez, oui. Ouais, ouais, bah on vous expliquera ultérieurement en fait. Il y a des personnes, comment dire, mal intentionnées qui veulent ma peau, quoi. On m'a informé dans l'oreillette qu'il y a trois personnes dotées d'armes lourdes. Qui cherchent d'armes lourdes et tout. Oui. Ok. Déjà, on va essayer de sortir de ce putain de tunnel là. Vous avez pas peur qu'il y ait un métro qui arrive en face? Mais oui, c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai... Non, 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 on est dans la bonne voie. Donc le... C'est bon, bon t'es des bannes, dépêche-toi. On était ici il y a même pas deux minutes, non? Je crois que vous avez fait demi-tour. T'es sûr? Je crois qu'on tourne en boucle. Je pense que je deviens fou, moi, ici. Excusez-moi, je suis revenir. Un peu... J'ai du mal un peu avec les espaces clos, hein, comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mais vite d'insulter, par contre. ZH59, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Le Buzy, j'ai oublié de vous remercier les gars, merci. Je le fais après. Ah super. Non, même pas. Ça fait longtemps que c'est en travaux ici. Hein. Ouais, quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire ici, mais... J'ai déjà fait une rêve partie dans ces tunnels là. Pardon? Monsieur, oui, une rêve partie. Ouais, il est très attiré, et, comment dire, c'est des rêves parties, c'est-à-dire que c'est pour des... C'est de la musique techno, et ils dansent. Ah d'accord, ah oui. En général on prend des drogues assez dures et... Bah après c'est dans des endroits un peu insolites comme des... Plus tard. Des garages, des tunnels, des catacombes. Salut Stiga. Et on est bon danse en fait et on est en transe. Bon ça ressemble à l'univers de Tomb Raider 2 ici. Ah ouais, bonne référence. Oh. Ah bah on est direct sur l'autoroute. Attendez, on va laisser passer l'individu ici. On va partir sur la route. Angle mort. Tout va bien, c'est parti. Bon, allez, reprenons. Allez, sérieusement là, parce que. Bon, sinon, où est-ce qu'elle est, l'officier là? Je sais pas, dernière nouvelle, je l'avais demandé de changer sa tenue. Peut-être qu'elle est au commissariat, je vais voir, on va aller voir. Elle a dit qu'elle décrochait en étoile. Quelle quoi? Elle dire des conneries, on dit qu'on fin de service. Ah, ok, d'accord, décrocher en étoile, c'est pas mal ça. Effectivement. Oula, il y a beaucoup de véhicules. Et... Vous voyez des gens là? Je vois pas bien là. Négatif. Je vois pas grand chose. Pour l'instant, ça a l'air d'être se calmer, monsieur le commandant. Ouais, ça a l'air je pense qu'on a bien répondu. Oula, présent, oula, vous voyez en face à droite? Regardez à droite. Ouais, c'est vitesse. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je parlais pas de lui, mais c'est pas grave. On le prend en chasse. Putain. Voulez-vous que je prenne le mégaphone, mon commandant? Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous en avez un, oui. Très bien. En instant, tu peux me passer derrière. Tiens, prends-le. Ah, bordel. Oh putain, merde. Attention, ouais, on a un pare-buffle, allez-y, monsieur. Ah ouais, j'avais pas vu. Excusez-moi, je suis encore habitué aux anciens véhicules. Excusez-moi. Je crois que notre officier a renversé un moteur. C'est bon, mettez-vous en position. Mais, il s'arrête pas, lui. Je prends mon arme, les gars, ou pas? Nicolasson. Autorisation d'ouvrir les feux en sommation d'abord et ensuite sur les pneus. Moi je suis derrière, je peux pas tirer mon commandant. Moi je peux pas tirer, je conduis. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, j'ai l'impression ma gueule, que, toi. Nous avons un officier qui essaye de... Comment on fait pour... Ouais, lui c'est un idiot lui, il va voir. Retenez la plaque s'il vous plaît. Ouais, il roule trop vite, ça va être... Non mais là je suis en taz. Il va tout droit l'idiot. Ah merde. Oh, j'ai tasé la vitre. Voulez-vous qu'on descende du parking et qu'on l'attende à la sortie? Il est monté? Je pense qu'il est monté effectivement. Ok, on va se séparer, d'accord? Très bien. Je reste dans le véhicule tout seul, descendez à deux. Qu'est-ce que vous faites Ouais, désolé, excusez-moi, j'étais en train de me mettre dessus. Putain, mais à chaque fois ça. Voilà.
Il est où là? J'ai entendu tirer, je crois. Faut lui niquer ses pneus là, ce matin. J'ai t'es là! Putain, on enfin! Tu prends ton service que maintenant! Monte à l'arrière, descends. Putain, patoche quoi! On est débordé depuis le début là, tu prends rien! Ouais. Vas-y, force à toi, hein! Vas-y, policier avec Chopin! De qui Chopin, tu parles? Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est un mec qui suce? C'est pas les gays pour être policier, mon pote, hein? Les gays policiers? Laisse tomber, c'est de l'histoire ancienne. Il a été gay hein, une période, il l'a encore, mais c'est pas grave, t'as pas à juger, ok? Bah, il suce des poids d'échappement, quoi! Et alors, c'est son. Hey, et alors? Toi, tu t'encules bien avec des jojos, non? On parle à qui? J'ai l'impression qu'on parle tu à. Tu t'amuses avec des Tamagotchi? Bah, laisse tranquillement s'amuser avec des dogs. Hey, il est jaloux, DMG, hein? C'est un petit jaloux! Il est en égo RP, DMG! Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, je vous emmène quelque part. Non, on doit travailler là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais c'est plus le capitaine qui t'a fait. Je t'ai sorti de la cité là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça va trop loin! Arrêtez de prendre le melon! Tiens ta route! Lâche ce volant! Patoche, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tire sur le frein à main! Derka, tire sur le frein à main! Attendez, y'a des mecs là, y'a des mecs qui forment de la weed là. Ah. Ok. Bah dis-le, annonce! Annonce tes intentions, sale bâtard, t'es sérieux là? Mais t'as tué le capitaine? Moi non, je l'ai juste tasé. Mais il a tasé le capitaine, vraiment? Mais enlève les sirènes! Par contre, la tête dans l'air, rune pas tout là, on est en fonction là. Fais ton taf là. Bah ouais, t'inquiète. Attends, je crois qu'on va avoir... Il a tassé le capitaine, vraiment? Bon, on va y arriver. Et non, j'espère qu'il n'y a pas tout ruiné, hein. Passe-moi le véhicule, t'es en train de faire quoi là? T'emmènes vers quelqu'un? Où? Je crois qu'ils nous emmènent. Oui, vers des personnes qui farment de la drogue. En général des piges. Combien de mètres? 1400. Laisse tomber, trop loin. Non, trop c'est loin. À côté. Trop loin, retourne au Comico. En Comico, ok. Tout c'est plus intéressant là. D'arrêter des personnes qui font de la drogue. Non, c'est moi qui dirige. Il faut absolument voir le capitaine s'il va bien. C'est la priorité, les gars. C'est un des nôtres. Tenez votre volant et tenez votre conduite, surtout. Non, c'est bon, il retourne vers le capitaine. J'ai l'impression que notre collègue est possédé, je ne comprends pas ses moves. C'est bon, il faut plus vite. Bah ouais, je suis en mode sérieux, ça. Tes problèmes dans le volant là. Laisse-moi le volant. Non, mais c'est la voiture qui est gelonnée, j'ai l'impression. C'est bon, on est presse. Commissariat. Il est où, je sais pas où il est le capitaine. Il était où, dernière nouvelle? Là, elle est là. Arrêtez-vous. C'est quoi, il se passe quoi derrière là? C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Comico. On va retenir ça sur ta paye, hein, je te le dis. Hein. Quoi, mais j'ai déjà plus d'argent. Regarde la voiture dans quel état tu l'as mis. Allez, on descend. Bah, il va prendre sur sa paye. Hein. Il est où? Putain, est-ce qu'il est là? Il est pas là, peut-être aux cellules en bas. Je sais pas s'il y a un. Quand je vois, y'a qui en cellule? Putain, il faut que je mette des mecs en cellule quoi. Putain, c'est trop tellement kiffant. On a personne. Bon, ça manque de mecs en cellule. Négatif. Putain.
putain, il est bientôt 5h du mat, quoi. Les mecs, déjà coupé le live, là. Je devais rendre l'antenne, il y a déjà 2h. Derka, c'est toi qui dirige, là, pour l'instant? Ouais. Fais un 10-19. Matricule, là. Matricule, je sais pas combien. Il est où, le commandant? Aucune idée. Je l'ai vu partir, mais je sais pas où, là. Je pense qu'il faudrait faire un 10-19. Vous pouvez l'annoncer radio? Je suis pas sur radio actuellement, moi. Ah, bah bravo. Merci à Inovzer qui offre un sub à KTM King XL, merci beaucoup. Les gens qui viennent. Qui ont agressé les policiers, ça va pas ça. Où ça, où ça, où ça, où ça, il faut absolument. Ils sont partis. D'accord, très bien, vous avez géré. Ouais, j'ai géré, mais bon, casse le pied. Dernière nouvelle, vous avez des informations? Ah bah le mal. Mais sérieux, faire du drift de DMG? C'est pas commandant ça. On voit pas comme ça, bah j'espère. Oula, eh, je peux savoir où vous étiez vous? On était en train de. On était en train de patrouiller. Comment ça, vous étiez avec moi, vous? Comment vous pouvez patrouiller alors que vous étiez avec moi? Vous m'avez laissé tout seul. On vous a laissé où déjà? Je me souviens même plus. Bah c'est moi qui vous ai laissé plutôt. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez laissé. Bah pourquoi vous dites qu'on vous a laissé? Bah hein. Il y a une personne assez suspicieuse qui est en train de traverser. Attendez, j'ai... Bon, quel Ben, ça circule de là, putain. Attendez, répétez votre phrase, j'ai rien compris là. Vous m'avez baragouiné le cerveau là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, en fait, vous nous avez laissé, mais après on était en train de. Je sais pas où vous étiez. Et après on a eu l'information comme quoi vous avez été agressé. Ouais. Moi j'ai été agressé? Ouais, de exactement. Base, on était en formation 4-4-2, et puis vous êtes séparés, on est passé en 4-2-3-1, on était seul. Non, non, je vous ai dit, attendez ici, je monte, je redescends, je vous reprends. Si jamais ah, d'accord, bah j'ai mal compris alors. Désolé, monsieur le commandant. Désolé. Non, y'a pas de soucis, allez, y'a pas de soucis. Mais bon, la prochaine fois, me laissez pas tout seul parce que j'ai ouais, eu du mal. Ouais, je sais, là. Faut jamais laisser un. Ensuite, exactement. Mes respects, commandant. Ouais, ouais, repos vite. Ouais. Bon, on y retourne. Hein. Par contre, venez avec moi parce que j'ai des. Bon, Vito, vous arrêtez de vous évanouir toutes les 5 minutes, s'il vous plaît. Bon, arrête tes conneries là, tu commences à nous agacer là, Vito. C'est qui l'officier à droite là? Ouais, c'est moi, c'est Pat Pat. J'entends pas, il parle. Ouais, il parle, il vous a parlé, c'est Pat. Ouvre la fenêtre! Vous le reconnaissez pas? Il est fou. Attends. Ah, Patrick, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va le. Attendez, par contre, m'approchez pas trop. Ça va le. On m'a dit que vous étiez malade. Bah, j'ai tout juste un peu. Ouais, ouais, mais restez en voyage, quoi. Non, mais. Bah, comment ça? Bah, ouais. Ouais, reculez, Pat, recule, Pat, tranquille. Pat, ça va quoi, les mecs? Tu reviens de maladie, mets ton masque. Tes gants, tu les as mis? Ouais, c'est bon. Pat, s'il te plaît, tu peux mettre un masque? Bah... Maintenant, ouais. C'est bon, moi, j'ai dit de me et reposer. Tu feras le nécessaire pour aussi cacher cette gueule de merde, je l'ai déjà dit, en plus. Ouais, non, ça, ouais, non, Kader, calmez-vous. Non, mais ça, vous en faites pas, monsieur le commandant, chez lui. Calmez-vous, le pauvre, il est là, il n'a rien demandé. Ok, par contre, ouais, vous êtes coronet, Pat, hein, donc... arrêtez, hein. Vous en... Ouais, évitez de pousser, par contre, vous venez... Ouais, pas, patrouillez dans votre propre véhicule et tout va se... Oula, ouais. Bon. Patrick, je vous aime bien, mais oula. Tu peux au moins monter avec vous? Ouais, montez. Montez, restez mais... derrière, de toute façon c'est vitré. Ouais, restez derrière, Vito. C'est Vito qui prend, donc. Ouais. Suivez-nous. Ouais, bon, le chope d'ailleurs, lui. Je sais pas c'est qui. Comment ça, je le chope, Inch'Allah, ça veut dire quoi, ça? Tranquille. Ah non, ça veut rien dire, vous inquiétez pas. Ça veut dire que Dieu, si Dieu le veut, mais vous inquiétez pas, c'est dans mon sens. Kater, arrêtez de... Bon. Hop là! Eh, petit con! Tu vois pas que c'est ma nouvelle caisse? C'est vraiment le meilleur joueur du serveur. Pas très fort pour la conduite, vous voulez pas rouler? C'est vraiment le meilleur joueur. C'est tellement marrant quand il embrouille un mec. S'il vous plaît, restez professionnel. Et toi là, allez! Mettez-le trouver! Oh bon, bon, qu'est-ce qu'il veut le Mexicain? Là, on est en train de travailler. Mexicain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Reprenez votre moto. Non, calmez-vous. Pat, tranquille, là, tu viens de prendre ton service. Arrête. Bon, attends, Pat, on va discuter là, parce que monsieur, ça va plus. Ouais. Il faut arrêter de taser pour un tout et pas rien. Exactement, il faudrait peut-être faire un petit briefing rapidement pour les deux derrière, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent trop leurs aises. Exactement, bien dit. On va retourner au commissariat. Deux voitures derrière, mon commandant. Non, plus important, les bases. Parce que s'il n'y a pas les bases, on peut pas aller plus loin. D'accord, on pourra pas faire des arrestations si vous avez pas les bases. D'accord. Ouais, faut on va d'abord commencer par ça parce que je rappelle que c'est ça ira. Ah ouais non, les bases c'est pas non plus depuis le début, hein. C'est juste un petit rappel de mise en. Ah, il a raison non. Et la priorité là. Putain, après les gars, ici, après mon grade d'officier, les gars c'est quoi qui est au-dessus? Pas mon volant. Ouais, non ça par contre, arrêtez. Toujours avec ces petits préjugés là. Non.
sergent. Allez, on descend, on se met devant moi. Monsieur le commandant, je voulais savoir si j'ai une promotion, hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais après officier, c'est quoi? Il y a sergent. Et sergent, vous êtes invité à rejoindre une brigade. Ou à la créer, parce que pour le moment, il n'y en a pas. D'accord, donc, d'accord. Voilà, donc vous gérez votre propre équipe, etc. Des lieutenants peuvent faire partie de votre brigade, etc. Mais ça, vous en serez courant au moment venu. Mais vous inquiétez pas, vous êtes sur la liste. Par contre... vous pouvez tasser, s'il vous plaît. Si jamais il repasse. Ah, bah... allez, ouais, mais s'il est à l'arrêt, à l'arrêt, Pat. Bon, Vito, faut que je t'explique deux, trois trucs. Ouais, on reste poli, hein. On est là, il est speedy, on n'est pas là pour foutre la merde, d'accord. On est censé être poli. Hein, des fois, c'est vrai que le travail monte à la tête, mais il faut toujours rester droit. D'accord. Donc vraiment, évite de t'énerver, reste sage. Tout va bien se passer. Très bien, mon commandant. Bien compris? Oui. Voilà. Donc maintenant, faites-moi 10 pompes, s'il vous plaît. Parce que c'est pas gratuit. Hein. Oui, 10 pompes, dépêchez-vous, là. Oh. Allez, fais-les, c'est bon, tranquille. L'exécution, s'il vous plaît. Allez, on part. Sans les bruits, vous en faites pour 10. Encore, y'a pas 10. Allez, là. 5, 6, 6, 6. Je suis toujours à 6, hein. Je sais pas pourquoi. Arrête de faire des pauses, wesh. Vas-y, continue. Continuez, là. 7. C'est quoi ces pompes de gueule, hein? 8. Ouais, comme descendez, ça. Là. Comme il ça. Il est en train de gainer, là. Voilà, 8. Vas-y, gaine ta bite, vas-y. Voilà, le dernier. Allez, le dernier. 10, voilà. C'est bon, relevez-vous. Bon. Allez, on se lève, monsieur. Hey. Je suis content. Ouais, c'est bon, allez, on applaudit. Non, faut pas être content. Si vous faites des pompes, c'est pas bien. Non, ça veut dire que vous avez fait une bêtise. Non, on vous demande pas de faire du sport pour rien. Bon, Vito, est-ce que vous avez bien compris maintenant? Oui, mon commandant. D'accord, donc soyez droit, restez poli. Si il vous énerve, ne le tasez pas. Restez avec cette putain de parole en bouche. Hein. Ne commencez pas à sortir des armes. Regardez, j'ai pas de taser. Ouais, enfin, en bouche, les immolos, parce qu'en bouche, il y a pas que des paroles en général dans sa bouche. Ouais, évitez de. Non, ne comprenez pas des. Qu'est-ce qu'il prend à prendre un truc dans la bouche, quoi? Mais qu'est-ce qu'il prend? Genre d'attitude, j'oublie. Je voulais crever le pneu. Non, pas de pneu. Non, mais il roule, il va mourir si tu crèves son pneu. De toute façon, c'est Patoche qui est responsable. Fais attention à notre sécu, Pat. Bon, Patoche, ouais, je... Par contre, Patrick, je veux savoir pourquoi vous avez pas votre gilet pare-balles. On est en Defcon 2. Hein. Ah ouais, j'ai oublié de le prendre. Bah, c'est bon, tranquille. Bon. Quoi? Non, c'est pas tranquille, allez-y. Prenez votre gilet pare-balles, s'il vous plaît. On s'est fait tirer dessus, là, tout à l'heure. Attendez, je vais... Il a comme un bon toutou, son petit. Excellent, ça. Mais non, il vise trop bien. Alors, oh, ce qu'il a mis. Bien joué, ça. Ce qu'il met. Ce que t'as mis, gros. Voilà, ramène-le et mets ton gilet après. Ramène-le et mets ton gilet après. Ouais. Pat, tu t'occupes. Oh putain, il m'a fait peur, lui. Il a peur pour rien, maintenant. On y va. C'est coup de chance sur lui. Allez, les gars, un peu joli de sérieux. Geste technique. Hein, pas de coup bas. Bon, on va devoir lui dire ses droits, ce bâtard aussi. Ouais, s'il vous plaît. Oh, par contre, t'insultes pas. Comment ça t'insulte pas? On t'a pas insulté, on t'a dit. T'as vu ce que t'as fait? Attendez, j'ouvre la porte. Je fais rien, vous m'avez tasé sur une bécane. Vito, lui, ses droits, s'il te plaît. Alors. Je sais pas si moi je t'ai connu. Ce que vous pouvez dire sera. Ah, d'accord. C'est un pige, non? J'ai mal à la tête, je veux voir un EMS. Non, ferme ta gueule. Non, t'as un casque. Commence pas à l'ouvrir. Donc, tout ce que vous direz pourra se retenir contre vous et sera retenu à votre procès. Vous avez le droit à un avocat et vous avez le droit de passer un appel à un ami et à un inconnu si vous voulez. C'est bien compris? Vous avez bien compris, wesh? Et vous avez le droit à de la nourriture et une bouteille d'eau si vous le désirez. Vous avez aussi le droit à des soins et un EMS qui vient vous rendre visite. Super, Vito, super. Excellent, Vito. Vous avez Vito pour vous servir. J'ai mal à la tête, vite. Putain, il est vous avez encore votre casque, nous ne pourrons pas procéder à. Gardez votre casque, on sait jamais, peut-être qu'il y a eu des dommages. Que... Oui. Est-ce que vous avez bien compris vos droits, monsieur? J'ai mal, oui. Très bien. Ah bah, il a est-ce bien que vous désirez un avocat? Vous avez le droit à un avocat commis d'office ou directement à un avocat que vous connaissez? Monsieur, je fais un vice de procédure. Il n'y a pas de vice de procédure, monsieur. C'est une blague, monsieur le casquier, là. Non. Il vous a lu vos droits, donc vous arrêtez oui, de parler de vice de procédure. Vous n'avez pas le droit. Pardon? C'est avant la cellule. Ah bon? Oui. Il va partir avec le casque, il a payé 50 balles avant de rentrer dans la cellule. Ah non, moi on me les a cités dans la cellule. Ah, j'ai pas entendu. Malheureusement, moi j'ai entendu que c'était fini avant la cellule, monsieur. Monsieur, vous avez mal? Attendez, on va appeler un ambulancier, ne vous inquiétez pas. Mais commencez pas par les vices de procédure, hein, monsieur. Vous savez ce que c'est la vice de procédure, hein? Vite, dépêchez-vous.
Je vous ai demandé si vous avez bien compris vos droits, vous m'avez dit oui, monsieur. Vous allez enlever ce casque dès que le MS va arriver. Et le casque, juste pour savoir, vous l'avez acheté combien, 50$, c'est ça? Dans un shop? Sur internet, je suppose, non? Malheureusement, il n'y a pas de MS qui vont arriver. Ils sont tous occupés. Ça, parle pas, donc, même pas si... Moi, je peux le palper. Il palpe moi, j'ai rien. Tournez-vous, regardez le mur. Je peux pas me tourner. T'as une écarte les jambes. C'est bon, commandant, on va s'en charger, vous pouvez partir. Non, je vais procéder à la fouille. Vous pouvez partir, il a dit. Comment ça, vous pouvez partir? Non, on retourne. Occupez-vous vite de lui là, qu'on reparte patrouiller là. Ouais, il a raison. Non, mais vous pouvez partir, vous, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Ça sert à rien d'être officier pour cette partie. On peut commencer à faire tourner le moteur et je m'occupe. Non, moi j'inspecte Vito, Pat. Je suis pas là pour. Moi je regarde. Ouais, montre-nous un peu, Vito, les dernières. Très bien, donc veuillez regarder le mur. Mesure à prendre contre lui. Nous allons directement. Procéder à la fouille. Adios bananas, je suis d'accord avec toi. Donc monsieur, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, laissez-vous faire. Je vais prendre vos biens, téléphone, portefeuille. S'il vous plaît, fermez vos gueules, monsieur. Hop. Vito, calme. Ah oui, c'est vrai, c'est petit, monsieur. Encore une fois, tu prends un blâme. Monsieur, excusez-nous, s'il vous plaît, ça va? Ouais, non, je vois flou, je commence à voir flou. Non, asseyez-vous, faites-le chez vous. Vous allez rester là 2 minutes, d'accord? Voilà. Oui, 2 minutes, mais il vient de voler ma voiture et il a fait exprès, monsieur. C'est quoi? J'entends. Alors, monsieur. Ouais, je viens avec vous. J'ai jamais vu ça, mais je vais l'ordre. Vito, un carton. C'est quoi ça? Dark, Vito, là, il est nerveux. Ouais, il faut que. C'est au niveau du phrasé, de la parole, ouais, il faut vraiment que je le calme. Vous avez monté en prison, là? Oula, attends, tu fais un pas, je t'allume. Hey, c'est quoi ici? Vous rentrez dans le commissariat comme ça, vous croyez que vous êtes chez vous, quoi? Monsieur, montrez-moi votre certificat officiel d'avocat, s'il vous plaît. Ah, mais, monsieur, je suis passé tout à l'heure. Votre certificat, s'il vous plaît, monsieur. Parce que c'est pas la première fois qu'on se fait avoir ici, hein. Allez, Vito, il a tué tous les mecs dans les cellules. Oh putain, sérieux là? Sortez d'ici, fouillez-le, il l'a encore sur lui. Il faut enlever les ceintures, les lacets des personnes. Qu'est-ce que t'as fait, Vito, gros? Il y a le commandant qui va arriver, gros. Il y a le commandant. Arrête de faire n'importe quoi, t'as dit. Oh, c'est Patoche. Vito, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est Patoche. Grand-mère, comment ça, c'est Patoche? Tu veux que je t'encule au coin? Oh, Patrick. Eh, calmez-vous. Eh, c'est moi le médiateur ici. Calmez-vous. Calmez-vous. Eh, Patrick, calme-toi. Va là-bas. Ouais, va respirer, Patrick, s'il te plaît. Vito, tu viens avec moi. Vito, tu viens ouais, avec Pat, moi. Ouais, Pat, viens. Vito, tu viens avec moi, j'ai dit. Pat, t'arrives quoi, wesh? Tranquille, gros. Il se passait quoi, là? Mais c'est pas moi qui l'a tué, j'étais pas là. Moi, j'étais en train de terminer le pige. Mais la vie de ma mère. Ah ouais, il est en train de te faire porter la casquette, en fait. Demande au policier, là, dans la cellule des talents. Bon, par contre, le pige, là, tu vois, regarde-moi ce fils de pute. C'est quoi? Patoche m'a dit de la cellule, Mais... Bah, je sais pas. Attends, tu vas le faire quoi là? Individu, il sera mieux vous répondre comment en fait? On peut lui demander qui l'a. Celui de droite, celui-là qu'on a arrêté. Lui. Monsieur, qu'est-ce qui. Non mais alors ça c'est. Attends, mais c'est quoi cette prison? Il y a des espions ou quoi? Derka, c'est pas moi. Non, à mon avis, il manque un peu de sucre lui. Ah, il manquait de sucre, ok, ça va. Bon, on va vous en faites pas, on va vous réanimer, normalement vous êtes encore en vie. Attends, on va prendre son coup. Ouais, c'est bon, prenez son coup. Prenez son coup. Je suis là, j'ai pas compris. Je suis en procédure contre le monsieur qui est là-bas. C'est bon. Pas moi, monsieur. C'est bon, tu viens monsieur. Prendre tes esprits, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis pas que c'est moi, parce que c'est pas moi. C'est pas toi. Ouais, bah voilà, bah dis-le. C'est lui là-bas, il est parti. C'est lui. Lui, il m'a frappé. Ouais, c'est lui. Patoche, viens ici, tu vas devoir répondre. Il t'accuse là. T'as fait quoi, Patoche? Moi, j'ai rien fait, mais c'est Véton. Ouais, c'est ça, j'étais juste derrière. Eh, écoute-moi là, contre Taras là. C'est pas moi. Monsieur. Genre le mec à gauche, c'est pas toi qui l'as tué? On est les seuls à s'embrouiller entre gauche, nous. Je pense que dans l'URP, on est les seuls à s'embrouiller entre flics. Un pour un. C'est jamais vu. Je pense qu'on doit être les seuls sur un serveur RP à s'embrouiller entre comment nous. Comment vous pouvez vous souvenir de tout ça, monsieur? Alors vous avez pris des séquelles au niveau de la tête, j'aimerais bien savoir. Bon, Pat, t'as fait quoi en fait là? Parce que j'ai vu ce que t'as fait sur lui là. Mais par contre, l'autre, j'ai pas vu. Elle m'a demandé des points, je lui ai donné des points. Mais l'autre, c'est Vito, moi. T'as demandé quoi? Sérieusement, t'as provoqué ou pas l'officier Patoche? Vous n'avez rien à faire ici en plus, monsieur. Est-ce que tu l'as provoqué pour qu'il t'agresse? Non, je parlais pas. Je demandais juste un EMS. Oui.
Ah, bah attends ici, on va te le fournir, les mecs. J'espère que t'as pas trop mal, ça va. J'ai mal ma somme, non mais je comprends plus. Bah, j'ai mal quoi, je commence à voir flou. Vas-y, pose-toi sur le lavabo, ça te fera un petit bidet. Je fais quoi, moi? Patoche, vu que t'as fait une connerie, viens Patoche, tu vas prendre le premier soin. Tu vas juste lui mettre un peu d'eau sur le front, viens. J'ai fait quoi? Daka, il est en train de s'enfuir. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de creuser un trou ou quoi là? Excuse-toi tout de suite, j'ai dit. Je creuse pas de trou. Monsieur, je veux savoir ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe dans cette putain de cellule là, hein? Il est en train de creuser des trous là. Il avait une truelle dans son. Regardez la truelle là. Mais. Monsieur, vous m'expliquez ce que vous faites avec ça? Vous laissez pas partir, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Monsieur. Je sais pas, je voyais pas. Mais déjà, quelqu'un m'a ça. Comment ça, vous voyez pas? Vous me foutez de moi ou quoi? C'est qui l'autre mec avec sa voix? Calme-toi, on te dit. Mais non. Allez, vas-y, on de. Bah... Mais je m'évade pas. Arrête de parler c'est comme ça, t'as break, dit. Monsieur, ou... C'est pas vous que je parle. Hein. J'ai mal. Monsieur, je sais bien que vous avez mal, mais il n'y a pas de MS de disponible pour vous. Salut, donc, t'inquiète pas. Vous patienter, prenez mal sur vous. Oh, voici une Doliprane. J'ai été en chercher une pour vous, voilà. Ça va aller, monsieur, calmez-vous, vous inquiétez pas. Je vais mourir. Lui, je vais le buter, lui aussi. Ok. Bon, toi. Stresse pas, ça y est. Calme-toi, on t'a dit. Ok, c'est bon, excuse-toi maintenant. Je vais mourir. Ouais, mais tu refais ça encore une fois et tu te prends mal. Pourquoi il est en transe? S'il te plaît, tiens ton rôle. J'ai à vous parler. Oui. Elle a pris ta race, va au fond de la cellule. Je crois qu'on va tout faire péter, hein, je pense. Hein. Bon, bah c'est bon, on les a mis en cellule. Tu sais m'envoyer un message? Sur. Par mail. Derka, Vito, ouais, attendez-moi en haut, s'il vous plaît. Ok. Ouais, attendez-moi en haut. Il est où, DMG? Non, ça mérite pas de C4. Oh non, DMG, enfin. Bon, déjà, lui, je vais l'embrouiller parce que. Bon, toi, écoute-moi, c'est la dernière fois. Eh! Enlève ta cigarette là, éteins-moi ça là! Pourquoi tu rentres dans les locaux de la police là, sans compter d'ondé? Dis-moi! Je te parle! Ouais, monsieur l'agent, ben moi je suis l'avocat, moi. Je suis l'avocat, j'ai jeûné pour défendre. T'es l'avocat, je te fous de ma gueule, la dégaine non, là? Non, c'est. T'as non, une coupe de jeu d'un ça. Grenoble blanc, on dirait. Bah, l'avocat, je crois qu'il va avoir besoin d'un avocat hein, pour ouais, fumer dans un lieu. Bah, je suis maître hacker. Bah oui, mais vous fumez mais dans un lit speedy quand même, monsieur. Je crois mais... que là, ça mérite. Hein? Comment ça, vous avez dit quoi, maître hacker? Ouais, maître hacker. En fait, c'est avocat hacker. Ah, ok. Mais votre diplôme, enfin, vous l'avez eu dans quelle université? Oh, université du barreau de Sacramento. D'accord. Zermal, bureau de Sacramento. Ouais. Il y a un peu trop de bureaux de Sacramento hein, ces derniers temps. Hein. Ouais, donc en fait j'attends mon client là, frérot. Au niveau du code pénal, pour un outrage à agent, que risque votre client? Bah restez là. Ouais, mais je parle qu'à mon client, moi. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Et votre activité, vous faites quoi là? Vous faites quoi à part ça? Vous avez des. Bah, moi j'étais taxi avant, mais j'ai changé de métier. Ouais. Donc de taxi, vous avez fait avocat direct, quoi. Ok. Ouais, bah en fait j'ai reconversion professionnelle, poto. D'accord, très bien. Bon, si c'est un avocat, bon, on va attendre. Hein. Bon, il faut aller. Je vais. Oh, putain. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, l'avocat. Mais qu'est-ce qu'il branle, les mecs? Il est parti où, DMG? Bonjour, monsieur, vous voulez aller quelque part? Non. Ok. Ah vas-y. Merci. Du coup, hein, bonjour. Merci. Bonjour, vous voulez aller quelque part? Ah. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Toi, bah, t'es vraiment taxi là, t'as des gaines là? Oui, oui, oui. Ah d'accord, ok. Putain, c'est quoi ces mecs? Mais c'est possible, je me dis pas que c'est une game viewer. Ouais, ah vous êtes là. Allons-y. Ouais. Par contre, oui, allons dans la voiture, Derka, faut que je te parle. Ah d'accord, ok, on y va. Vito, vas-y.
Attendez, Vito, est-ce que vous pouvez attendre dans la voiture, s'il vous plaît? Je vais juste à parler avec Derka par rapport à... Moi, je peux pas consentir, on va dire qu'il y a du code B devant, là. Vous demandez pour porter plainte. Hein. Oh. Ah ouais. Ah ouais, oui, j'ai entendu ça. Ok, reste... regardez, juste devant, là. Il y a du... Ouais, ça va. Restez ici, ok, restez en sécurité, je reviens. 96, gérez avec Vito devant, s'il vous plaît. Comment ça rentre pour code B à l'intérieur, que dois-je faire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, code B? C'est un code B, c'est un code de... d'attaque terroriste. Ok, ça va, ouais. S'il y a code B, autorisation d'ouvrir le feu. Uniquement si c'est sûr, d'accord. De toute manière, il y a une équipe qui travaille dessus, là, j'ai envoyé des espions. Derka dans le bureau, s'il vous plaît, vite. Ouais. Ouais, ouais. Y'a rien de grave, hein. Si, si, c'est grave, quand même. Pas par rapport à vous, mais c'est grave. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... À la base, ça vient de vous, hein. Enfin, je veux dire, c'est une connaissance à vous, mais il faut un peu trop le bordel en ville, et ça me remonte... On vient me tirer les bretelles, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc, d'accord, bah prenez les mesures, prenez des mesures, hein, je vous fais confiance. D'accord. Bon, là, c'est pas tough. Mais comme ça, vous savez, c'est pas contre vous, je le vire pas parce que... Ouais, ouais, non, mais vous pouvez y aller, vous pouvez le virer, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Où est Patrick? Ah. Il a mis Patoche. Son gilet. Patoche. Ouais, Patoche. Ah merde, c'est même pas lui. C'est Patoche ou c'est Patrick? Ah, Ah, Pat, oh, bon, enfin, moi, je l'appelle Patoche pour ouais, les intimes, bon, mais ouais, Pat, ouais. Pat. Ouais, enfin bref. Vous l'avez retrouvé? Bon, parce qu'on sait pas, j'ai pas volé, j'ai pas d'infos là. Il est pas sur la radio. Bah oui, mais il y a plus que moi et toi sur la radio. Hein. Ah. Tout le monde a pris sa fin de service parce que c'est le bordel, il y a personne qui assume. Donc. Enfin bref, je vais en parler à Vito. Hein. Donc t'es au courant. Ouais, 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 d'accord, ok. Mais attends, là, je qu'il y a... là, c'est chaud, frérot. Non, non, c'est Pat, pas pareil. Retrouver. Ouais, retrouvez Pat en attendant. Vito, dans mon bureau, s'il vous plaît. Non, mais t'es où DMG? Parce qu'apparemment, il a confondu, c'est même pas toi, il a. Ah, écoutez, monsieur, c'est quoi votre nom? Parce que moi, je peux vous défendre, je suis avocat au barreau de Sacramento. Attention, monsieur, l'agent, ça tire, hein, ça tire devant là. Attention, frérot, attention. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce bordel? Bon, c'est pas grave, on va couper parce que ça, de toute façon ça va être ruiné d'après. Mais je sais pas où il est. Tacos tortillas, quesadas, 2$, 2$. Bas les couilles, circule là, on va pas ici là. Devant là, ça gaze les frères. Ça gaze les frères. Bon bah je crois que j'ai buté un random hein, les mecs hein. Je vais craquer hein. Il est vraiment nul ce véhicule. Qu'est-ce que vous faites là? Calmez-vous là. Mon véhicule ne fonctionne plus, il ne roule plus, j'ai un petit problème. Ouais bah c'est pas une raison de vous énerver dessus. Bah il m'énerve, j'ai fait mon métier et puis il roule plus. Bon go le carkill lui hein, je sais pas ce qu'il fera. Tu peux y aller, vas-y carkill-le. Bon restez là, j'ai appelé un officier pour gérer ça. D'accord. Pourquoi vous tapez monsieur? Ah bah. Bon bah là... Bon là je peux rien y faire, vas-y j'ai rien vu. Eh hey, monsieur l'agent. Ouais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes censé... Pas le droit de quoi? Vous avez pas le droit. Comment ça j'ai pas le droit? Vous avez pas le droit de me laisser comme ça. Je suis KO et j'ai mal au cul là. Ok bah attendez j'ai appelé un MS. Restez là, normalement vous êtes pas censé vous relever. Voilà. Bon, ça va, je peux une jambe pour niaiser, c'est si simple. Bon, vas-y, on va décrocher. Il y en a pas. Monsieur, c'est normal qu'il y a plein de balles dans. Vous pouvez rentrer, Kader. Ouais. Vas-y. Vous arrivez ou. C'est par la poignée, hein. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ouais, c'est. Appel central, urgence, inconnu, Spanish Avenue. Oh là là, on a encore du taf là, mais bon. Ah, je suis comme vous, mon commandant, je suis comme vous, je commence à fatiguer là. Ouais, mais. Faut changer les idées, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire,
Darka, est-ce que vous savez Patoche? Vous avez des informations par rapport à Patoche? Là, pour l'instant, j'ai aucune information. À mon avis, il a dû prendre une fin de service ou je sais pas où il est parti. Vous l'avez localisé? D5. Sur une balise, non? Non, attendez, je vais quand même regarder s'il a toujours, en service. Salut, Malheureusement, le grade c'est important. Le grade c'est important, ou c'est pas grave. Je comprends pas là. Je sais pas s'il est en ville ou il est pas en ville. Je n'ai pas d'information. Vous savez peut-être son nom, là. Son nom prénom. Parce qu'il il n'apparaît pas là. Ah ouais, Patrick Vandal. Attendez, je vais voir. Et pourquoi il y a un monsieur qui écoute à la porte là? Eh, t'es qui toi là? Vas-y, dégage là. Pourquoi t'es en calbar et la tête de. Ouais, monsieur l'agent, je peux venir voir vite fait. Monsieur l'agent, Derka, venez vite fait. Il y a un truc là. Eh, déjà tu m'appelles pas Derka là, c'est mon matricule que tu m'appelles. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, écoute-moi, écoute-moi, enfant. Il y a un truc là-bas là. Où ça? Putain. Bon, bah, je crois que. Mon commandant, je crois qu'on va sortir l'artillerie lourde, hein. On va y aller, hein. Non, non, jamais. Ah, même là, il faut tenir son rôle. Venez d'accord, avec d'accord, 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 on y va. Quoi, s'il vous plaît, tu commences à casser les couilles là, dégage là! Qu'est-ce que tu fais toi? Vas-y! Hey, t'arrives quoi là? Vas-y, commence pas à parler, vas-y, couchez! Monsieur, ouais, inspecteur Gadget, restez près de lui là et qu'il se relève jamais. Vous le terminez à chaque fois, merci. Ouais, t'inquiète. Venez d'accord. Ouais, j'arrive. Oh! Allez. Donc là, c'est bon, j'ai un marquage à la culotte. Attendez, une Porsche ou une 4 places ou 2 Porsche? Choisissez ouais, là. Une 2 places, okay. Une Porsche, ouais. J'aimerais bien voir. La voiture. Allons-y. Vous voulez conduire? Wouah! Ah, vous avez les moyens! Ça va en fait! Ah, c'est mon véhicule, ça. C'est le véhicule du commandant. Vas-y. Ah, merci, je peux. Ah, ouais, boîte auto et tout. Ça a de la reprise, non? Ouais, elle m'a coûté cher. Hein. Ah, j'ai un peu. Allez, au point. On prend l'appel. Si vous voyez des véhicules comme ça, ne les prenez pas en compte. Ouais. D'accord. Faisons comme si nous ne le voyions rien. Wouah! Y'a de la gouache, hein, ça roule vite, hein, ça accélère vite. Oh, ouais. Oh, hey, doucement, hey, oh. Doucement, hein. Ça accélère vite, hein, fais gaffe. Ouais. T'as mis ta ceinture? Le muscle. Ah non, j'ai pas mis. Ouais, mais allez, mets un peu ta ceinture, là. C'est bon, c'est le muscle ouais, c'est... K y a pas de muscle. Ah. Non, tu... C'est bon, je l'ai mis. Ouais, voilà. Radio. Nous sommes en direction du point, on prend l'appel. Y a pas de muscle. Je l'appelle, oui, sur Spanish Avenue, ouais. C'est trop bien, des flics. Allons-y. Oula, c'est une armurerie ici, hein. Faire attention, hein. Non, je sors. Merci, Entrap, salut à toi, l'ami, merci beaucoup. À fond de balle. Bonjour. Ah, je suis arrivé à fond de balle. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe dans la place? Il est déjà parti, comment ça il est déjà parti? Ok. On est arrivé trop tard. Pardon? J'entendais rien. Ah, c'est l'armurerie, vous voyez pas l'armurerie? Si, je vois bien, ouais. Ah, ouais. Ah, d'accord. Ok, il est trop loin en RP lui. En flic, ouais, Abby Junior, en flic, il ferait du bon taf, ouais, hein, parce quoi. Qu'il est vraiment très réactif. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, je vais marcher, il essaie tout le temps de bouger, il est trop, en fait, c'est trop speed, il est même plus speed que moi, en fait. Vous allez faire quoi avec ça? Ah, les stalkers, c'est chiant, là. Une gazeuse, comme ça, je peux gazer, quoi. C'est pas mal, vous. C'est jamais. Bon, allez, dépêche-toi d'aller prendre ton véhicule. Ouais, la vérité, c'est ça, va faire du jeu ailleurs. Prends ton véhicule et casse-toi. C'est comme ça que vous parlez, monsieur. Attends, si tu veux, je te mets maintenant un coup de matraque. Hein. Y a pas de soucis. Attendez, monsieur, vous êtes force de l'ordre ou. Et quoi? Ouais, mais force de l'ordre, mais t'inquiète pas, on va demander des choses, t'inquiète pas. Ouais, mais le problème, c'est que toi, est-ce que t'es un civil, toi? Est-ce que moi, je te respecte en tant que citoyen? Bonne question, ça. Viens l'envoyer, ça. Toi, tu viens m'embrouiller. Non, écoute-moi.
Toi, allez, t'es là, tu veux acheter une gazeuse pour gazer les gens. Tu penses être un citoyen honnête? Oh, il t'a franchement, fumé en RP. Oh là là. Pas normal, frère. Je sais pas ce qu'il te faut, mais toi, va voir un petit médecin. Parce allez, que t'as terminé. Il t'a terminé. Cherche pas, allez, au suivant. Tu prends ton véhicule et tu te casses. Ça va? Je fais comme si j'avais rien entendu. Ça va? Les stalkers là, avec vos vieux rôles. J'ai bien vu ta tête. Hein. Si je te revois, t'es foutu. Hein. C'est directement à la prison. Ça va? Allez, vas-y, il t'a fumé. Il t'a fumé en RP. Parce que c'est bon. Remets-toi les idées, frérot. Tu viens m'emmerder. Je viens de me garer. Tu crois que tu parles à qui? Ah ouais, bah. Je commence à apprécier vos méthodes imméritées. Clairement, c'est un baiser immérité. Voilà, on y va, on enchaîne. Allez, un peu de rythme. Là, y a pas du tout d'ego, c'est tout à fait normal. Alors, pour moi, c'était la bonne réaction à avoir. Alors, même dans la vraie vie, tu réagis pareil. Non, là c'est clairement, là, il cherche. Il vient sur les scènes et tout, il fait n'importe quoi. Voilà. Vous voulez le volant ou pas? Non, allez-y, c'est bon. Tranquille. Bon, ce genre d'individu, il faut pas. Ouais, non, mais je vois. Il l'a clairement cherché. Ça fait plusieurs fois qu'on voit. Il se met là en travers. Je viens pas de. Non. Hein. Non, tranquille. Radio centrale, on poursuit un véhicule de type Infernus en direction du pont vers. On redescend sur la ville. 10-4, demande de renfort, s'il vous plaît. Demande de renfort sur ma position. Attends. Oh putain, ça va trop vite. Je m'accroche comme je peux. Ouais. Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous. Faites tir de sommation dès qu'on se rapproche. Il va se la prendre, c'est sûr. Exactement. J'y vais. Arrêtez-vous. Bon, tirez sur les pneus. Oula! Ouais, c'est bon, là. Oh merde! Tout va bien. Il me tue, j'arrive pas à rester concentré. Monsieur? Vous êtes... Ah bah. Vous êtes ça? Attendez, je vais voir s'il est encore là. Ouais. Vous êtes ça? J'en ai marre. Sortez du véhicule, vous êtes dans le coffre? Oui, il est... À trois, vous sortez! Un! Deux! On tire dedans. Ouais, allez-y. Non. Là, il se relève. J'ouvre le coffre. Vas-y, je crois que c'est... Prenez la ligne, s'il vous plaît. Ok. Sortez de ce véhicule, là. Vous êtes cachés. Bon, allez, il donne plus signe de vie. Ok, je comprends pas, là. Bon, sinon, ça va À ce moment-là, franchement, fin de journée, je commence à fatiguer, hein. Ouais. Bah ouais, mais... Les nerfs sont tendus, j'ai remarqué, Ouais, les nerfs sont tendus. Exactement, comme vous avez dit. Tout à l'heure, j'ai dit la même chose. Les gens, il faut... Je sais pas. Je comprends pas. Il faut faire appliquer la loi et apporter une certaine discipline. Le problème, c'est qu'il y en a qui prennent confiance. Je comprends, exactement. Ça agace. Il faut à chaque fois éviter de sortir de nos gonds. C'est pas évident, votre travail, monsieur le commandant. Non, et franchement, des fois, je me demande si je vais continuer, quoi. Non, faites pas ça, on a besoin de vous dans cette ville. Sans vous, on est rien. Le problème, c'est que... Ça va pas, quoi. Non, mais je comprends bien, mais on va pas se laisser intimider par ces guignols. Ils sont là, ils foutent la merde. Oh, putain, mais il est de retour, lui. Radio, les renforts sont toujours pas arrivés, hein. C'est la deuxième course poursuite qu'on entame. Hein. Véhicule Infernus de bleu, orange. Oula, je l'épite, c'est bon. Véhicule il continue de rouler, il est solide, hein. Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous! Un pneu! Il a un pneu pété, attends. J'arrive pas à tirer en temps conduire, faut que tu gères, Derka. Oh, il a je sais. Normalement, là, il se lève pas. Il est tombé! Attends, que ça passe! Allez, passe. Vous bougez plus, monsieur, vous avez l'impression. Vous bougez plus, mettez la main en l'air. Levez les mains en l'air! Merci! Je l'ai en visu, je sors du véhicule. Je reload. Derka, faites attention à ce que vous faites. Monsieur, je peux savoir ce que vous faites là? Donnez-moi les mains. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera pour être contre vous. Là. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, vous serez commis d'office. Vous avez le droit à manger, à boire et des soins si nécessaire. Avez-vous bien compris vos droits? J'ai compris, mais j'étais en train de prendre mon service là. Voilà, s'il vous plaît. Monsieur, vos mains, merci beaucoup. On vous embarque. Allez, on se salue. Ah merde. Bah, je ramène le véhicule à la base. Prenez le camion. Pas ou sa voiture. Prenez sa voiture.
D'accord, je le mets dans le véhicule, attendez, je le mets avec vous. Sors du véhicule s'il te plaît. Je le mets d'abord. Monsieur, vous allez vous expliquer au commissariat. Je lui mets la ceinture, tu peux accélérer. Okay, ceci, ouais. Ok, très bien. Bon. Monsieur, je réquisitionne. Toi, tu vas morfler, je te le dis. Tu vas pourrir en cellule. Je vous suis, monsieur le commandant. Non, non, c'est. Ah, tant mieux, il a pris mon véhicule là. Ça sent le fennec un peu. Hein. Monsieur le commandant! Suivez-moi! Oh putain, ça va trop vite. Mais pourquoi on n'a pas des voitures comme ça? Cher! Bon, on sortait. Oh, tu que je sorte, guignol. On va attendre le commandant. Eh, ferme ta gueule, fils de pute, voilà. Eh, sale bâtard, là, eh. Ah, pardon, monsieur, pardon. Arrêtez, arrêtez-vous, voilà. Arrêtez-vous. Fils de chien, voilà. Merde. C'est vous, là. Oh. Oh. Bon, ça va. Bon bah là c'est ingérable. Je vous cache pas que là... Derka, je pense que... Je pense qu'on va en... On remballe. Ouais, on remballe. Bon, fin de service pour moi. Bon courage. Merci beaucoup. Moi je prends le service. Les gars, c'est foutu. Hein. Ouais, bah je pense que cette ville... Bon, si vous voulez, il y a une autre ville que je connais, pas très loin, à Las Vegas. Au moins on sera pas promenés avec des riches, avec des vieux... Et il y a un billet d'avion ou pas? C'est combien le billet d'avion? C'est pas très loin d'ici, Los Santos c'est dans le même état, Californie. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, bah, bon, on verra, je pense qu'il y a de la demande. Faudra me communiquer ça parce que ça serait intéressant. Bon, allez, hop, on emballe. En plus, là, je suis en faisant là. Ma femme elle va être contente là. Il me tue, il est. Ah, voilà, putain, quand on enlève l'uniforme, d'un coup, on se sent plus léger. Exactement, oh putain, ouais, cette tenue de civil. Toujours ouais, je vais me poser, je vais me faire une petite sieste ici, tranquille. Ça va, super, bah, allez. Ouais. Bah, merci à vous. Applaudissements, allez, les gars. Ouais, je sais bien, mais n'oubliez pas, hein, prenez pas la tête, la vie est une fête. Il se trouve que par moment, il y a des cons partout, hein. Il va falloir gérer ça de main de maître hein, prochainement. Prenez soin de vous, faites attention. C'est de très belles paroles ce que vous dites là. Merci beaucoup. Un accident est vite arrivé dehors, vous savez. Hein. Quoi? Il y a un accident? Non, non, un accident est vite arrivé, j'ai dit. Ah, ok, ouais. Ouais, oui, ça, oui. Mais en tout cas... Y'a pas de soucis, vous habitez dans quel quartier? Vous habitez où? J'habite pas très loin ici, j'ai une petite maison à côté. Ah, d'accord. Bah, c'est cool, ouais. Sortec. Mais je pense pas rester, quoi. Ok, bon, moi, je vais me prendre quelques petites canettes. Et votre ville, c'est où qu'on y va? Ah, ma ville, il faut prendre un... Là, je pense qu'il faut prendre l'aéroport directement, hein. Ah, il faut que j'aille aéroport, ouais, vol Las Vegas et puis voilà, on se prend. Ça va. Allez, simple. Il y a plus rien à faire ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, non, je pense qu'on a tout fait. Ouais, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas, allez. Mais respect, en tout cas. Y'a pas de soucis, officier d'Arca. Allez, bonne journée. Bonne journée. Ah bah, j'ai tendance à bloquer, là. Ouais.